Un opposant était antagoniste d'un mouvancier jusqu'à ce que les deux adversaires deviennent membres d'un seul parti. Il y a quelque chose qui les a divisés. Something divide them. Quelque chose qui les a opposés. Something oppose them. Qu'est-ce qui les a opposés? What oppose them? C'est l'ivraie qui est venu. It is the dans le champ. That first oppose le deuxième homme au premier homme. That oppose the second man. Le second homme. We can say qui that a semé l'ivraie. The second man who sowed qui s'est opposé au premier homme, qui s'est divisé, the first man, qui est devenu antagoniste who become du premier antagoniste homme qui est of the first man, il est Moïse. To the c'est Moïse. Part alléluia, acclame Moïse. Jésus. Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, people of God. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. We greet you in the precious name of our Lord Jesus. Nous sommes encore ici pour continuer notre série d'enseignements. We here to continue our series of teaching. Qui a pour thème principal. That has as principal les sept aspects doctrinaux et prophétiques. The seven doctrinal aspects and du trône de Dieu selon les dispensations. Of the throne of God according to dispensations. Ceci, c'est la quatrième partie. This is the fourth part. Puisque nous avions déjà fait les trois dernières parties. Because we did the third et last part. Et le Seigneur nous met à cœur de continuer sur le studio de la chaîne Jésus revient. And the Lord put in our heart to puisque continue cette série, in the studio of the channel cette Jésus série revient. Est une longue série. This is a long series. Donc nous allons prendre plusieurs séries jusqu'à la fin de cette série d'enseignement. So we'll take many series till the end of this series. Of que teaching. La gloire soit rendue à Jésus-Christ. May the glory be to Jesus. Nous prions. Let's pray. Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, Lord Dieu Jesus, de gloire, Almighty God, reçois la gloire. Receive glory. Reçois l'honneur. Receive honor. Pour l'occasion que tu nous accordes. For the occasion you give d'enseigner us ton peuple, to teach your people, de remplir ton peuple, to fill your people, de la véritable connaissance, for the true knowledge. Depuis que nous avions commencé cette série d'enseignements, since we have started this series, ton esprit teaching, nous a accordé le bon dépôt. Your spirit gives le us peuple de good Dieu deposit. A été efficacement nourri de la pure connaissance. The people of God was fed by the good knowledge. Seigneur, tu nous as conduits dans les eaux profondes. Lord, you direct us in the deep et nous avons water. Reçu la nature de la connaissance parfaite de Christ. And you receive the nature of a perfect knowledge merci of Christ. Jésus. Thanks, Jesus. Seigneur, oui, je te remets cette quatrième partie. Lord, I put into your hand que this fourth l'épée part. De la connaissance transperce les cœurs. May the sword of the knowledge be que la révélation de la parole may the revelation soit communiquée. Of the word be communicated. Afin que la gloire te soit rendue. For the glory be to you. Merci Jésus. Thanks, que Jesus. La chair et ses œuvres disparaissent. May the flesh and its work disappear. L'adoption de régénération. May the spirit of adoption of regeneration. De puissance. The spirit of power. Que l'onction d'enseignement. The anointing of teaching. Sur chacun de nous. Flow on each of us. Je te remets la régie technique. I put the registers. Couvre-nous de ta gloire. Cover us with your glory. Couvre l'interprète et moi de ta the gloire. Interprete and I with your glory. Afin que le peuple soit nourri. For the people be fed. Au nom de Jésus, je prie. In Jesus name. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Les sept aspects prophétiques et doctrinaux du trône de Dieu selon les dispensations. The seven aspects prophetical and doctrinal of God. Dans la dernière partie, nous avions compris assez de choses. In the last part, we understood many things. Dans la dernière partie, nous avions parlé de la mort du Christ et ses implications dans la vie de tous les appelés
au salut éternel. And in the last part, we talk about the death of Jesus and his implication of the life and all aspects of the doctrine. Nous avions compris la rédemption que Christ a accordée par son œuvre. We understood redemption Christ gave by his works. Toutes les conséquences de la rédemption de Christ, de l'œuvre de Christ pour les appelés. The consequences of the work of Christ for those who are called. Nous avions compris que avant la mort de Jésus-Christ, we understood that before the death of Jesus tous Christ, ceux qui mouraient depuis Noé, même depuis le péché originel, all who were died since the original étaient sin, dominés par la mort. Were dominated car by the c'est death. Pas un seul homme que le péché est entré dans le monde. Because sin entered the world by only one et man. Et pas le péché, la mort. And by the sin, the death. Et tous les descendants du péché originel, même de la loi de Moïse, étaient tous engloutis par les liens du séjour de la mort. And all the descendants of Moses, since those who were under the law, were swallowed by the death. Donc tous ceux qui mouraient avant la mort de Jésus-Christ allaient tous dans un seul lieu. So all who were died before the death of Jesus were going to the same place. Et ce seul lieu, c'est le séjour des morts. This same place is the stay of death. Et nous avions compris comment tous les prophètes avaient prophétisé la délivrance des captifs du séjour des morts. Comment ces prophètes ont annoncé leur délivrance jusqu'à ce que Jésus-Christ ne vienne accomplir la prophétie par sa mort à la croix. And we understood how those prophets announced the deliverance of death till Jesus died at the cross. Nous avions compris la parabole du riche et du pauvre Lazare. We understood the parable of the rich man and the poor Lazare. Qui était parabole pendant le temps du salut où Christ était sur terre avant même l'œuvre de la croix. This parable that was a parable when Jesus was on the earth. Still the work of the cross. Ce n'était pas encore une histoire qui devait être appliquée, puisque en ce temps, Christ n'a pas encore accompli le message parabolique qu'il annonçait comme figure. It was not a parable that should be applied, because Christ did not fulfill the work. Comme c'est pas la mort à la croix, the death at the cross. Que tout a été réformé, tout a été accompli. That everything was fulfilled. Tout ce qui était parabolique est devenu une doctrine. All that were about parable become a doctrine. Donc, les disciples ne pouvaient pas comprendre la parabole du riche et du pauvre Lazare. So disciples could not understand the parable of the rich man and the poor Lazare. Mais lorsque Christ est mort, la mort a été vaincue. Le diable a été vaincu. Le diable qui a la puissance sur la mort. When Christ died, the devil who had the power of death was overcome. Et ceux qui étaient dans le séjour de mort étaient sortis en écoutant l'évangile du Christ qui allait prêcher lorsqu'il est descendu dans les régions inférieures. Il est allé prêcher à ceux-là. Et ayant écouté l'évangile, Christ les a délivrés du séjour de mort. And those who were at the stay of death, when they heard the gospel of Christ, because Christ went to preach the gospel to them, and when they heard the gospel, they went out from the stay of death. Depuis qu'ils sont délivrés, since they were delivered, nous parlons maintenant par la réformation du sein d'Abraham et du lieu de tourment. Sinon, avant la mort de Christ, il n'y avait pas séparation de ce lieu de séjour des morts. Since they were delivered, we are talking about the Reformation and we are talking about the bridge of Abraham and the hill. Because at last there was no distinction between the two places. Donc avant, il n'y avait pas de distinction. Il n'y avait pas de séparation. Yes, there was no separation. Mais c'est après la mort du Christ qu'il y a eu séparation. It is after Christ's death that there is separation. L'histoire du riche et du pauvre Lazare qui était parabolique est devenue une doctrine qui concerne le jugement qui existe après la mort de tous les hommes, après Christ, yes, après l'œuvre de Christ à la croix. And then the history of the rich man and the poor Lazare, that was a parable, become a doctrine after the death of Jesus at the cross. Il a fallu que Christ réforme tout et accomplisse tout pour que cette parabole devienne une doctrine. Christ reorganized everything for this parable becomes doctrine.
C'est pourquoi l'Écriture va dire dans le livre de Hébreux 9, le verset 27. Reason why the scripture says in Hebrews 9, verse 25. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après cela vient le jugement. Men are destined to die once. After that comes the judgment. Si nous lisons l'écriture de Hébreux 9, if you read 27, the scripture of Hebrews 9, verse 27, nous devons faire attention à quelque chose. We should pay attention to something. Quand nous remontons au verset 15, when we go up at the l'écriture 15, dit, je lis moi-même, the scripture et c'est says, pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. For this reason, Christ is the mediator of a new covenant. Il s'agit de Christ, it is about Christ, qui est le médiateur d'une nouvelle alliance, who is the mediator of a new covenant. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat, that those who are called may receive the promise des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Now that he had died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. Donc la mort de Christ a libéré ceux qui avaient commis des transgressions qui n'étaient pas justifiées selon la loi, tous ceux qui pratiquaient la loi mais qui n'étaient pas justifiés selon le modèle que la loi avait établi. Christ les a tous libérés et les a accordé l'héritage éternel promis. So Christ set those who were under the law and didn't receive deliverance. He set them by his death at the cross and he gave them the heritage that was promised. Ceux-là, nous pouvons dire selon les Écritures qu'ils sont morts deux fois. We can tell according to scriptures that those they died twice. Je vous explique. Let me explain. Lorsqu'ils étaient assujettis à la loi de Moïse, when they were on the slavery of the law of Moses, ils sont morts. They died. Et après leur mort physique, after their physical death, ils sont tombés dans le séjour des morts. They went on the stay of maintenant, death. Maintenant, Christ a vidé le séjour des morts par l'évangile qu'il a prêché. En ayant lui-même la clé du séjour des morts, when Christ made empty the state of death, by the gospel he preached, ceux-là ont connu une résurrection à la forme de la résurrection de Lazare, qui entendait la voix du Seigneur et sortait de la tombe. Those they know a resurrection like the one of Lazare, who listened to the voice of Christ and went out from the tomb. Donc leur résurrection est semblable à la résurrection de Lazare. Je parle bien de ceux qui étaient morts avant la mort de Jésus-Christ à la croix. So the resurrection was like the one of Lazare. So I'm talking about those who were at the stay of donc, the death. Donc ils étaient ressuscités non pas pour être enlevés vers le ciel, non pas pour être ressuscités pour la gloire, mais ils ont reçu la résurrection juste pour vivre encore sur terre, accomplir les œuvres de la foi, encore mourir et aller soit dans le sein d'Abraham ou le lieu de tourment. Okay, they resurrected not to go in the glory, but they resurrected in order to live again. And after that, they will die to go maybe at the state of death or the place of torment. C'est ça, nous appelons la justification. Ils doivent être justifiés pour que la... Il faut que Christ rétablisse la justice pour que ceux-là soient obéissants aux œuvres de la foi afin d'avoir une place au sein d'Abraham. Par conséquent, et au contraire, s'ils n'obéissent pas aux œuvres de la foi, ils iront au lieu de tourment. That is what we call justification. They should obey at Christ in order to be justified to go maybe in the breeze of Abraham. Donc Christ, oui. Or maybe at the place of torment. So they should obey to the commandment of Christ in order to be justified. Donc Christ les a accordé cette grâce. So Christ gave them pour that rétablir grace la justice parfaite. To reestablish the perfect justice. Nous l'avons dit dans l'enseignement dernier. We said it in the last. Et en faisant ainsi, ils sont après étant sortis de la tombe. Ce n'est pas encore la résurrection prophétisée par les Écritures qui serait à la fin de la dispensation de la grâce. Mais cette résurrection est semblable à celle de Lazare, comme nous le disons. By resurrecting is not the one that was prophesied. No. But this resurrection was like the one of Lazare.
and they should obey in order to be resurrected. Donc, étant sortis des tombeaux, ils sont encore morts. So, as étant sortis du séjour des morts, ils sont encore morts après. Donc, ça fait deux morts. But as they went out from the state of death, they died again. This means that twice dead. Maintenant, dans le verset 27, l'Écriture va nous dire, maintenant, 27, il n'y aura plus de mort. The scripture says there won't be two deaths. Avant cela, je les avais juste justifiés, puisque la loi de Moïse était intervenue. At last, et ils sont tous coupables de la transgression de la loi de Moïse, puisque la loi de Moïse n'était pas parfaite pour assurer la justification. At last, those were not justified, were not under justification. They just listened to the law of Moses, but they were not justified. Donc ceux-là, Dieu les avait justifiés pour pouvoir accomplir la justice. Maintenant, quand ils sont sortis, ils ont vécu. Ils sont encore morts. Donc, ça fait deux morts. Là où ils sont maintenant, c'est au séjour des morts, divisé maintenant en deux. Or, avant, ce n'était pas séparé. OK, they were not justified, but God did that in order to give them the privilege of the opportunity to be justified. So, after their new death, they are now at the state of death. Maintenant, l'Écriture va nous dire dans Hébreux 9, verset 7. Now the scripture says in Hebrews 9, et verse comme 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, as après la mort de Christ, il est réservé maintenant aux hommes de mourir une seule fois. After the death of Christ, it is given to men to die once at all. Les hommes étaient morts. Christ les a sortis. Yes. Et ils sont encore morts. Ils sont allés dans le lieu du séjour des morts, dans le sein d'Abraham ou le lieu de Touma. Maintenant, ce n'est plus comme avant où ils sont morts deux fois. Et Christ les a, et la première mort, Christ les a sortis. Et après, il les a permis d'être jugés. Maintenant, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. So after the death of Jesus, it Alleluia. Is given to man or to men to die once at all. Gloire à Jésus. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Do you understand, people of God? Il est réservé maintenant aux hommes de mourir. L'Écriture n'a pas dit maintenant, mais quand on lit Hébreux 9, 27, on voit que Hébreux 9, 27 succède Hébreux 9, 15. C'est-à-dire, c'est à la fin du chapitre. Donc, c'est une suite qui est liée au verset 15. When we read Hébreux 9, verse 27, it is like something that follows Hébreux 9, verse 15. Donc, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. So it is given to men to die après once at all. La mort suivait le jugement. After death comes the judgment. Donc il n'y aura plus d'occasion après la mort. So there won't Bien be aimé, an occasion toi after qui me suis death. Après la mort, il n'y aura plus d'occasion pour être justifié. Beloved, you who are following Depuis me after que Christ death, a accompli l'œuvre de la croix et est mort et a vaincu le diable qui est la puissance de la mort et qui a rétabli tout après cela, il n'y aura plus de délivrance après la mort, cette délivrance qui consiste à sauver qui sont péris déjà, physiquement. Il n'y aura plus. After the work of Christ at the cross, there won't be another resurrection after you die. So you should wait for the judgment. Et nous martelons que le purgatoire n'existe pas. And we are le purgatoire n'existe pas. Purgatoire, it does not exist. Christ n'était pas allé sortir les gens lorsqu'il était mort, il n'était pas allé les sortir du purgatoire. When Christ died, he D'ailleurs, même il n'était pas allé en enfer pour sortir les gens de l'enfer, parce que l'enfer n'existait pas. When Christ died, he didn't go to put out people from the hell, because hell did not exist. Le sein d'Abraham aussi n'existait pas. The breath of Abraham did not exist. Mais depuis que Christ est mort, il a réformé tout. But since Christ died, he reorganized everything. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Depuis la mort du Christ, ce n'est plus deux fois comme ceux qui étaient morts, qui sont ressuscités et qui ont vécu encore et sont encore morts. It is given to men to die once at all. As Christ fulfilled the work of the cross, it is given to men to die once at all. Oui. It won't be like those who were resurrected and die
after that again. Après cette mort, suivait le jugement. C'est là maintenant, cette parabole qui était parabole depuis le temps du salut jusqu'à la mort de la croix, c'est maintenant que nous comprenons que c'est devenu une doctrine chrétienne pour nous. After that, that parable, that was a parable. After the death of Jesus, this parable becomes a doctrine to us. C'est le résumé de la séance passée. This is the summary. Après of the last quoi vient teaching. Le jugement. After that comes the judgment. Alléluia. Donc Amen. Le jugement maintenant, c'est soit au sein d'Abraham qui est le lieu de repos et le lieu de tourment, qui Now, est le lieu de dans l'enfer que nous appelons souvent. The judgment is maybe the place of the state of death or the place of torment. Donc c'était une parabole pendant ce temps où Christ n'avait pas accompli l'œuvre de la croix. So that was a parable at that time when Christ did not Mais fulfill the work of the cross. Mais depuis là, tout accompli et est mort. Cette parabole aujourd'hui pour nous est devenue une doctrine, une révélation et une pratique obligatoire qui consiste à ce que Dieu juge ceux qui meurent après la mort. Mais ce n'est pas encore le dernier jugement. So since Christ died, this parable becomes a doctrine to us. Alléluia! Amen. Gloire à Jésus! Amen. Ça, c'est le résumé de la séance passée. This is the summary of the last thing. Nous avions aussi parlé de l'aspect du Seigneur Jésus étant le lion de la tribu de Juda. The aspect of the Lord Jesus as l'animal the lion of the tribe of Judah. L'animal à 10 cornes. The animal with 10 cornes. Qui symbolise la royauté, la souveraineté. That symbolizes the kingdom, the sovereignty. La force, la domination, la puissance. Power, domination, l'autorité, authority, la souveraineté. Sovereignty. Jusqu'en tant que lion de la tribu de Judas. Christ like lion of the tribe l'animal, of Judah. Cet animal à 10 cornes. This animal with symbolise 10 cornes. La puissance du Seigneur qui part comme sur une ânesse, un chat pour vaincre. That symbolizes the power of the Lord. That is on the chariot to go in order to win. Et ce lion de la tribu de Juda qui symbolise l'homme sur le cheval a vraiment vaincu, étant devenu agneau à la croix, étant devenu agneau le sacrifice. And the lion of Judah really overcome because he has become the lamb at the cross. Et ce livre qui était scellé, que personne ne peut avoir la révélation, que personne ne peut même ouvrir, dont Jean pleurait, Jésus-Christ qui est l'agneau, le lion de la tribu de Judas, est digne en tant qu'agneau à la croix pour pouvoir ouvrir le livre lorsqu'il est monté au septième ciel. So that book that was sealed and no one can open it, Jesus Christ, that is the lamb, is worthy to open that scroll, and as he claimed at the seventh par son sacrifice à la croix, by his sacrifice at the cross, il est digne, he is worthy, d'ouvrir le livre, to open the il scroll. Il est le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14 verset 6, the truth and the life according to John 14 car verse 6. Car ce livre symbolise l'arbre de vie qui est caché depuis le péché de l'homme. Because this scroll symbolizes the tree of life that was hiding since the sin of a man. Et des chérubins protecteurs, les chérubins avaient même fermé le chemin pour empêcher Adam et Ève d'aller bouder à l'arbre de vie, de peur qu'il, en mangeant, il puisse avoir la vie éternelle. And cherub, they went to close the gate of the tree of life. Car for not Adam et Ève, when they come to eat, they will have to live. Car selon le projet de Dieu, il faut un agneau sans tache qui doit être sacrifié, qui doit être prédestiné pour être sacrifié en vue d'ouvrir le livre. Et comme l'agneau n'avait pas encore été prédestiné et que le péché n'était pas vaincu, ce livre qui est l'arbre de vie était fermé. So for in the plan of God, a lamb without sin should be died in order to save us from our sins. Reason why the cherubs were there in order to prevent Adam and Eve to go to eat the tree of life. Alléluia! C'est Amen. Pourquoi Jésus, quand il parlait dans le livre de Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie », tous ceux qui étaient là ne le comprenaient pas, puisque le temps où ils doivent avoir la révélation n'est pas encore venu. So when Jesus was saying that he is the way, the truth of and the life, comment those who were there cannot understand. Que tu es le chemin, la vérité, la vie.
And they were asking, peut-on dire cela? How can you say that, that you have a way of en réalité, il parlait de l'œuvre de la croix qui, dans le sacrifice de Jésus-Christ, qui était digne, dont Jésus, l'agneau, était digne pour ouvrir le livre. C'est-à-dire, le livre qui était caché, qui est l'arbre de vie, Jésus-Christ ayant vaincu le lion de la tribu de Juda par son sacrifice à la croix, ayant vaincu, était digne de nous montrer le chemin. Il est lui-même le chemin qui nous mène à l'arbre de vie qui était caché après le péché de l'homme. So he was talking about Alléluia. Himself. Gloire à Jésus. He did that he will do. Himself is the tree of life that was hiding. And after his death at the cross, he opened now the way for eternal life. C'est pourquoi il va dire dans Jean 17:3, la vie éternelle, c'est que vous puissiez connaître le véritable Dieu, le vrai Dieu, celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Reason why he said that he is of the true life. If you know him, l'arbre de vie, c'est que vous puissiez connaître Jésus-Christ et le chemin qu'il est en train de nous montrer. The tree of life is for you to know Jesus and the way he is showing you. Jésus-Christ est maintenant le chemin, la vérité, la vie qui nous conduit à l'arbre de vie caché après le péché de l'homme. Jesus is now the truth, the truth and the life. Je suis le chemin, la vérité, la vie. The truth, the way and the life, and he is the way that drives us to the tree of life. En croyant en Jésus, tu es sur le chemin. When you believe in Jesus, you are on the way. Qui te conduit à l'arbre de la vie. That drive you to the quand tree tu crois of en life. Jésus, tu es en train de recevoir la nourriture de l'arbre de la vie, when le fruit de l'arbre de la vie. Yes, when you believe in Jesus, you are receiving the tree of life. Acclame Jésus. Clap Jesus. C'est pourquoi l'Écriture dit, reason why the scripture says, cet agneau est digne, this lamb is parce qu'il a été immolé. Because he was et les 24 vieillards s'agenouillent devant l'agneau. Et elders, they kneel down. Être vivant aussi l'adorer. The four en disant, Saint est l'agneau de Dieu. Worship him, saying that holy is the lamb of péché, God. Qui est le chemin qui nous amène à l'arbre de vie dont la porte était fermée. The way that brings us to the tree of life that Christ a vaincu le péché was high. Par son sacrifice. Christ overcome the sin by his sacrifice. Et nous permet maintenant de goûter à l'arbre de la vie. And he permit us to taste or to eat the tree of life. Que le Seigneur soit glorifié. May the Lord be blessed. Voilà ce résumé très important pour vous, pour vous aider à comprendre la dernière partie. So this is an important summary. Même avec ce résumé, sans même écouter l'enseignement de la dernière partie, vous pouvez garder l'essentiel. With this summary, without here, maintenant, the last part, you can j'avais annoncé, dans la dernière partie que nous allons parler de la droite de Dieu. I announced in the last part that we'll talk about the right. Et d'autres aspects du trône selon les dispensations. And other aspects according to dispensations. Mais nous ne pouvons pas parler de la droite de Dieu sans passer. Ça parlait plutôt de l'intermédiation qui existait depuis l'œuvre de la croix qui nous amène ou bien qui amène Christ à la droite de Dieu. So we cannot talk about the right of God. We were talking about the intermediation that brings Christ at the right of God. À la croix, quelque chose s'est passé. At the cross, something happened. Nous ne pouvons même pas aller sur la droite de Dieu sans parler de ce qui d'autres. Œuvre que Christ a accompli à la croix. We cannot talk about the right hand of God. We were talking about other things Christ fulfilled at the cross. Donc le sous-thème principal de la quatrième partie. So the under theme intitulé comme suit. Of the fourth part is entitled. L'époque de la réformation. The time of reformation. Et la réconciliation de deux ennemis devenus un seul homme. And the reconciliation of two enemies. Become only one man. L'époque de la réformation, the time of reformation, et la réconciliation de deux ennemis devenus un seul homme. And the reconciliation of two enemies become only one man. Éphésiens 2 verset 11 à 16. Ephesians 2 verse 11 to 16. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ.
car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation d'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus pour ce passage. Glory to the Lord Jesus for this. Ce passage est un passage vraiment codé. This passage that has a code. Et le Seigneur m'a permis de mettre en exergue une énigme. The Lord permit me to put in exercise une énigme. Une phrase ou un court paragraphe. An enigma is a phrase or a short qui paragraph rassemble des mystères cachés. That assemble hide mysteries. Qui doivent être interprétés. That should be interpreted. Pour la compréhension commune de tous. For understanding of everybody. Une énigme peut être comparée à la parabole. An enigma can be compared to parable. Une énigme peut être liée à des faits de la vie ou des noms d'hommes cachés, codés, des choses codées, schématisés, mais qui doivent être dévoilés, décelés pour permettre aux gens de comprendre. And any can be related to hide things, pictures that should be explained to permit men to understand. Donc, en lisant ce passage de Éphésiens 2, versets 11 à 16, so when reading this passage of Ephesians 2, verse 11 to 16, voici l'énigme que j'ai, c'est-à-dire j'ai mis en exergue qui découle de ce passage, je this lis. This is the enigma that I put out. Donc, suivez très bien, c'est lié so à Ephésiens well. 2, verset 11 à 16. It's linked to Ephesians et 2, vous verse pouvez noter 11 to 16. Au fur et à mesure. And you can take note as I am reading. Deux hommes étaient ennemis, mais Jésus-Christ les a réconciliés. Deux hommes étaient ennemis. Mais Jésus-Christ les a réconciliés. Ces deux hommes sont devenus un seul homme. Ces deux hommes sont devenus un seul homme. Un opposant était antagoniste d'un mouvancier jusqu'à ce que les deux adversaires deviennent membres d'un seul parti. Un opposant, c'est quelqu'un qui s'oppose à un parti et en mouvance. Un opposant était antagoniste, contradictoire, contrarié d'un mouvement, d'un mouvancier plutôt, jusqu'à ce que les deux adversaires deviennent membres d'un seul parti. Two men were enemies, but Jesus Christ reconciled them. The two men they become only one man. An opponent was an antagonist of the one who belonged to the central path, till the two adversaries becomes member of only one path. Christ est venu régler le problème qui divisait les deux. En réglant le problème, il les réconcilie. Les deux, afin que l'opposant devienne mouvancier, c'est-à-dire membre du parti du mouvancier dont Christ est l'investigateur. C'est-à-dire, c'est Christ qui est le chef du parti. Christ has come to solve the problem that divides the two parts. When he solves the problem, he reconciles. And then the opponent becomes the one who belongs to the central path. This means that he belongs to the path of movement, that Christ is the one who put this path into alive. Donc, lisez-moi le verset 16, le verset 15 de Ephésiens 2. Read verse 15 of Ephesians 2. Ayant anéanti par sa chair la loi des Christ. Ordonnances. Mm-hmm.
la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux. Avec les deux. With both. Les deux. With both. Donc Christ crée en lui-même les deux. So Christ avec les deux. With both. C'est-à-dire les deux hommes. Both two men. Un seul homme. Only nouveau. One new man. En faisant quoi? By doing what? La paix. Mm-hmm. Et 16. Mm-hmm. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc ce qui veut dire que this means that ces deux hommes étaient c'était divisé, c'est-à-dire ils étaient des ennemis jusqu'à ce que Christ les réconcilie. Till Christ reconciled them. Ces deux étaient opposés, c'était opposé. Ils étaient des adversaires. They were adversaries. Et parmi ces deux, il y a un qui s'oppose à un mouvancier. Quand on dit mouvancier, c'est celui, il est proche du parti qui gouverne, qui dirige. Le parti qui a l'autorité de la gouvernance, among those two persons, de la royauté. There was one who was opposed to the one who belonged to the sinful. Donc parmi party. Les deux, il y a un qui est proche du parti qui impose la vraie royauté. Okay, between the two, there is one who is near the central part. That is the kingdom. Et l'autre est ennemi de celui qui est proche du parti au pouvoir ou bien du parti qui dirige ou bien qui gouverne dans la royauté en ce temps. And the other is an enemy of the central part. Yes. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'Écriture dit dans verset 16, Christ les a réconciliés. So the scripture says in verse 16 that Christ reconciled them. Alors, ces deux hommes sont devenus un seul homme. So those two men they become only one. Dans un seul parti. In only one part. Afin que la volonté de Dieu soit rétablie. For the will of God be reestablished. Voilà l'énigme. This is the enigma. Et c'est lié à Éphésiens 2, verset 11 à 16. This is related to Ephesians 2, jusqu'au verset 11, 18, on peut dire ça aussi. Verse, gloire à Jésus. 18. Amen. Donc, avant de comprendre ceci, nous devons remonter à une parabole. Before understanding this, we should go up to a parable. Puisque Jésus parlait beaucoup en parabole pendant qu'il était sur terre au temps du salut, avant même l'œuvre de la croix. So Jesus was talking enough in parable when he was on the earth before the work of the cross. Pourquoi il parlait en parabole en public? Why did he talk in parable? Parce que l'heure du dévoilement des mystères n'est pas encore arrivée. Because the time of revealing of mystery has not come. Il y a un temps réservé pour que le mystère soit dévoilé. There is a time that is given for the mystery to be revealed. Et il parlait en parabole parce que le temps là, l'œuvre de la croix n'est pas encore accomplie. He was tout talking n'a pas été accompli. In parable because at that time the work of cross did not fulfill. Allons-y dans Matthieu 13, le verset 24 à 30. Let's go in Matthew 13, verse 24 to 30. Matthieu 13, verset 24 à 30. Matthieu 13, verset 24 to 30. Il leur proposa une autre parabole. Mm-hmm. Et il dit, le royaume des cieux, le royaume des cieux, the kingdom of heaven, à un homme, is like man. Dans son champ. Ah, ici nous notons un homme. Here we note a man. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui like a semé une semence dans son champ. A man who sowed a seed in his field. Mais pendant que les gens dormaient, when everybody was sleeping, son ennemi vint. Son ennemi vint. His enemy came. L'ennemi, c'est un second homme, c'est the ça. The enemy is a second donc, il y a man. Un homme qui avait planté une semence dans son champ. So, a man planted a seed in his et il y a un ennemi qui vient semer encore. And an enemy come to sow again. Son ennemi vint, sema de l'ivraie, le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe fut poussée et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il,
de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Mm-hmm. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, les deux. Comme Alléluia. Together. Continuons l'écriture. Mm-hmm. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez la boîte. D'abord, l'ivraie. Et liez-la en gerbe pour la brûler. Mm-hmm. Mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Amen. Acclame Jésus pour sa Clap parole. Jesus for his word. C'est vraiment profond. It is very deep. Nous voyons des similitudes avec Éphésiens 2. We see similarities with like Ephesians 2. Nous voyons deux hommes. We see two men. Un propriétaire du champ. One who is the owner qui of the field. Semait une semence. Who sowed a seed. Mais un ennemi vient. But an enemy came. Et sema dans le même champ de l'ivraie. And sowed in the same field a wheat. Donc il y a un mouvancier. So there is the one who belongs to the central part. À qui appartient le champ? To whom belongs the field? Qui reçoit l'ordre who receives de son chef? From his chief. Pour venir semer. To come to sow. Et l'ennemi, c'est lui l'opposant. And the enemy is the opponent. Le second homme. The second man. Sachant que le premier avait semé. Who know that the first lui sow intervena. Qui intervient. Et plante sa semence. And plant it his alors, seed. Ça fait deux semences. This means there are la première semence seed. Qui est le blé, the first that plantée is the wheat. Par l'homme à qui appartient le champ. Planted by the owner of the field. Et la seconde semence qui est de and l'huile. The second vrai. Seed that is the plantée wheat. Plantée par l'ennemi. Planted by the enemy. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes en train de voir une similitude. Do you understand? Voilà comment les deux se sont divisés. This is the way voilà comment les deux se sont opposés. Two are opposed. Est-ce que vous comprenez? Le premier a semé. The first one le second sell. Vient et sème l'ivraie. Come to sell sème the, le contraire the weed, the de ce que le premier a semé. Of what the donc ça fait deux sell. Semences différentes. This is, there are two different seeds. Ils se sont divisés. They divided. Et l'écriture va dire and the scripture dans says, le verset 20, 27. In verse 27. Oh, le serviteur du maître de la maison vient lui dire. The owner servant came Seigneur, to him and n'as-tu said. N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Did you sow good seed in d'où your vient fight? Donc qu'il y a de l'ivraie? Where then did the wheat come from? Il a répondu. He answered them. C'est un ennemi qui a fait cela. An enemy did et this. Nous savons que and we know rien de malin n'arrive si l'Éternel ne permet. That no bad thing come. If est-ce the vous Lord savez? Permit it et not. Nous savons que le Seigneur ne fait rien au hasard. And we know that the Lord il est capable, selon les Écritures, in hazard, de susciter à son dessein ses ennemis pour pouvoir résoudre quelque chose, pour accomplir une œuvre. C'est pourquoi l'Écriture dit, j'ai suscité Pharaon à dessein. That is why the scripture says, afin qu'il accomplisse ma volonté. I take Pharaoh by my de la même manière que Dieu a suivi Pharaon pour être ennemi de son peuple. As God chose, or he take Pharaoh l'ennemi qui enemy vient of his people, a été suscité par le maître, du, c'est-à-dire celui qui est le chef du champ. The enemy who est-ce que vous comprenez? Was raised le by mouvancier, the chief of the field. Le mouvancier qui est le premier homme the qui a to a d'abord semé, who il is, reçoit l'ordre d'un chef. Yes. Who sowed at first, he mais le second ennemi qui vient semer de l'ivraie one chief. Ne sait pas qu'il travaille pour quelqu'un. And the second, il est venu pour semer de l'ivraie. And the second one mais who en réalité, sow, il vient sous ordre du chef, du maître. He come under the order of the chief. Alléluia. Donc les deux hommes sont maîtres et sont des serviteurs d'un seul maître. So the two mais, men was, ça, c'est selon le dessein de Dieu. Mais dans les faits, dans les manières de faire, on les voit divisés. On voit un qui est opposant et on voit un qui est mouvancier. So in their heart, we see them divided. We see one who is an opponent and the one who belongs to the central path. Donc, pourquoi le maître les a dit de laisser croître? Why the master asked to let them grow up? C'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Do you want us to remove it? Non, dit-il. No, comment se fait-il que le chef, le seigneur,
va permettre à ce que l'ivraie soit semée pendant ce temps. Why où la bonne semence était. Will the tea permit the wheat to be sown? Normalement, si les serviteurs de la maître viennent dire, Seigneur, l'ennemi a semé de l'ivraie, il va dire, arrachez-moi. C'est ça, il devait dire normalement. Normally, when the servant comes to tell the master that an enemy sowed the wheat, he should tell them to remove it. Il dit, les serviteurs, il dit, veux-tu que... Non, il dit, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, no, he answered, because while vous ne déracinez en même temps le blé. You may uproot the wheat when il faut que l'ivraie soit semée. The wheat should be il sowed. Faut que l'ennemi soit suscité à dessein pour accomplir une œuvre. An enemy should be jusqu'au temps où il y aura déracinement de l'ivraie. Until the time there will be uproot. Donc nous voyons déjà ici que il y a deux ennemis. Le premier homme et le second. The first man and the second man. Celui qui sème the one who sowed, la bonne semence, le blé. The wheat. Celui qui vient semer and the one la mauvaise semence qui est l'ivraie. To sow the bad seed that is the weed. Et le maître, le Seigneur, va dire. And the master, the Lord, laissez will les croître. Let them grow. Puisque c'est moi qui suscite. L'homme, le premier homme qui sème la bonne semence. Because I raised the first man who sowed the good seed. Et le second. And the second il one. Il est ennemi he is du an premier. Enemy of the first oui. One. Yes. Mais j'ai permis, voilà. But I permit. Pour pouvoir accomplir mon dessein. In order to fulfill my will. Donc laissez les croître. So let them grow jusqu'à up. L'époque de la moisson. Till the harvest time. Le moissonneur va d'abord. The one arracher who will harvest will uproot the wheat et amasser le blé dans son grenier. And assemble the wheat at alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons comprendre les deux hommes. We will understand nous the allons two comprendre men. Le chef. And we understand le the Seigneur qui, à qui appartient le champ. The Lord to whom belong the field. Alléluia. Amen. Allons-y dans Genèse 15, le verset 5 à 6. Genèse 15, le verset 5 à 6. Chapitre 15, verset 5 to 6. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Alléluia. Dieu avait établi une alliance avec Abraham. God established a covenant with Abraham. Et c'était une alliance de paix. That was a covenant of peace. Avant de comprendre Genèse 15, versets 5 à 6. Before understanding Genesis 15, dans Genèse 5 to 6, 12, du premier verset au verset 3. Let's go to Genesis 12, verse 1 to 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Ici, nous voyons un commandement et aussi une promesse. Here we see a command and also a promise. Le commandement est dit, the command is, va-t'en de ton pays, go from your country, et de ta patrie, your people and your de, ta, de la maison de ton père, household, dans le pays que je te montrerai. To the land I will show you. Je ferai de toi une grande nation. I will promesse. Make you into a great voici nation. La promesse. This is a promise. Et je te bénirai. And I will bless je you. Rendrai ton nom grand. I will make your et tu name seras great. Une source de bénédiction. And will be a blessing. Je bénirai ceux qui te béniront. I will bless those who je maudirai bless you. Ceux qui te maudiront. And whoever curses et you, toutes les familles I will de la terre and all seront on bénies earth will en be toi. Blessed through you. Allons-y dans le chapitre 14. Genèse 14, 18. Genèse 14, verse 18 to 19. À 19, ils ont au nom de Jésus. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes en train de voir parce que Abraham a obéi au commandement. Here la promesse
doit être accompli sur lui. As Abraham obeyed to the command, the promise will be fulfilled. Alors, pour que la promesse soit accomplie sur lui, for the promise fulfilled on him, il faut une marque sur Abraham. There should be a mark on Abraham. Alors, Melchizedek apparut. So Melchizedek appeared. Il est roi de Salem. He is the king Allons of voir Salem. Dans Hébreux 7 sa description. Let's go to Hebrews 7. Premier verset. From the first Hebrews 7. Premier verset. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce Melchizedek est roi de Salem. This Melchizedek voilà is the king of Salem. Il est roi he de paix. King Salem of peace. Veut dire paix. Salem il est en même temps peace. Roi, il est en même temps sacrificateur. He is king and he ça, is c'est les caractéristiques. Those are characters. Il alla au devant d'Abraham. He went to meet Abraham. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Returning from the defeat et il bénit of king Abraham. And blessed donc, il vient him. Marquer le sceau. So he come to mark pour, the seal pour accomplir la promesse de Dieu qu'il avait faite sur Abraham. The promise of God he made on Abraham. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, etc. etc. And to whom Abraham gave de même qu'il est le roi de paix, as he the king of il peace, est aussi le roi de justice. He's also the king of justice. Et il viendra faire quoi, Abraham? And what, il viendra marquer le sceau. He come to do to de la bénédiction. He come to mark the seal. Allons of dans Romains 4. Let's go to Romans chapter 4. Le verset 11. Verse 11. Et il reçut le signe. Il s'agit de Abraham. It is about Abraham. Abraham reçut le signe. Abraham received a sign. De la circoncision. Comme sceau de la justice. Puisque c'est le roi de Salem, le roi de justice qu'il avait visité, parce qu'il a obéi au commandement de Dieu, il reçut le sceau et le, c'est-à-dire le signe de la circoncision et le sceau de la justice. As he was visited by the king of Salem and he received the seal of justice. Un sceau qu'il avait obtenu par la foi. A seal he obtained by faith. Hein? Quand il était incirconcis. Hein? Il était incirconcis. He was il n'était pas circoncis charnellement comme cela by se faisait. Flesh. Mais en ce temps, il était incirconcis. At that time, selon he was la chair, by flesh. Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. Afin d'être le père des incirconcis to qui croient. To be the father of uncircumcised who will believe. Pour que la justice leur fût aussi imputée. Pour que la justice leur fût aussi for imputée. Justice to be given ce qui to nous dit them. Que lorsque Abraham a rencontré cet homme, Melchizedek. When Abraham met that man, Melchizedek. Qui a des caractéristiques qui n'a ni de père, ni de mère, ni de jour, ni de fin de vie, ni commencement, ni de fin. En réalité, c'est Jésus-Christ. Puisque Hébreux 7 va nous dire que ce Melchizedek est semblable, va se rendre semblable au Fils de Dieu. That this Melchizedek will be like et lorsque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, God, vient dans le monde, when Jesus, il vient God, dans, une post, in the world, dans une posture comme et celle du du Melchizedek. He come like the one of Melchizedek. Il est roi de justice, Jésus-Christ, he is the roi king de justice. Of justice. Jésus-Christ est roi Jesus de paix, roi de Salem. Of peace. Jésus-Christ est encore sacrificateur. Jesus is also a prince. Donc il a tous les attributs so de Melchizedek. All the donc, attributes of ce Melchizedek qui avait vu Abraham, c'était juste une image qui préfigure Jésus-Christ. So this Melchizedek who met Abraham was an image donc, that ce Melchizedek va bénir come before Jesus Abraham Christ. D'avoir accompli ou bien d'avoir exécuté le commandement afin que la promesse fut accomplie. So this Melchizedek will bless Abraham because he fulfilled the commandment. Alors, the promise will be fulfilled in his life. Genèse 15 verset 6 va dire quoi? So Genesis 15. D'abord, le verset 5, toutes les possibilités de la terre qui tire, qui viennent d'Abraham seront semblables aux étoiles. Le verset 6, Genèse 15, 6. Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance à l'Éternel
Abraham fit confiance, cette confiance c'est la foi. Put confidence into alors, cette foi qu'il avait à l'Éternel, puisque ce Melchizedek, c'est l'Éternel en réalité, qui est venu à une posture humaine pour pouvoir se révéler à Abraham. Is the Lord who come like man to reveal Jésus-Christ, himself to Abraham. Celui dont l'origine remonte aux jours de l'éternité. Et c'est de lui parler Jésus-Christ dans le livre de Jean 8. C'est de lui parler Jésus dans Jean 8. It is about him, Jesus was du verset 52 au verset 58, en John disant, 8. Avant qu'Abraham me fût, je suis. Saying that before Abraham, et c'est moi qui ai rencontré Abraham. Et Abraham était content. And it is me who met Abraham. Puisqu'en me rencontrant, il recevait la paix. Because when et il avait reçu l'imputation de la justice. He received oui? peace and he received justice. Qui le lui imputa à justice. Ah. Donc ça, c'est là, il recevait le sceau de so la justification. He was receiving the seal of justification. Cette circoncision que dont le, et Abraham avait reçu comme signe this, n'est pas une circoncision charnelle. This circumcision was not by flesh. Donc cette circoncision que Abraham avait reçue était juste la marque de la justification par la foi. So this circumcision Abraham received was the mark of justification donc, Abraham, by faith. Donc Abraham, par sa foi, a semé ce modèle de justification dans tous les temps avant même des époques où tout fut changé. So Abraham by his faith he sowed the seed of justification. Donc pour que tout soit sauvé, tous devaient être descendants d'Abraham par la foi afin d'être circoncis spirituellement par la foi selon le modèle de Abraham. For everybody to be saved should receive justification by faith in order to be justified by the pattern of Abraham. Ça c'est le sceau de la justice. That is the seal of justice. Donc Abraham était devenu comme un père de tout le monde. So Abraham become like father et of Dieu everybody. Lui donnait même toute la postérité à venir. And God give him all the descendants that will come. Que nous marchons selon le modèle d'Abraham par la foi. En obéissant au commandement de Dieu pour être justifié. But we should afin d'avoir les promesses. By the model of Abraham, by the commandment est-ce que vous comprenez? Alléluia. In order to inherit promises. Alléluia. Amen. Donc voilà comment Abraham avait été imputé à justice. So this is how Abraham was justified. L'Écriture, quand nous lisons bien le livre de Matthieu 13. When we read the book of Matthew 13. Le premier homme a fait quoi? Voilà. Lisez-moi Matthieu 13, 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Voilà. Nous comprenons par là que Abraham est cet homme is that man qui a semé une bonne semence dans le champ. Who sowed a good seed in his field. Sema de l'ivraie parmi le blé. Donc, ce que Abraham avait semé, what Abraham c'est sowed, ce qu'il a reçu de Melchizedek. What he c'est pourquoi je disais que le champ appartient au Seigneur. That's what I was saying, that the field belongs to the Lord. Et c'est le premier homme est serviteur du Seigneur. And the first man is servant of the Lord. Et c'est ce, l'ennemi était aussi, avait aussi un ordre. Mais and est venu semer l'ivraie. Has an order and he come to sow. Est-ce que vous comprenez? The wheat. Maintenant, Abraham est ce premier homme. Now Abraham is that first man. Qui sema le blé. That sowed the wheat. Ce blé. This wheat. C'est la justification par la foi. It's the justification by faith. Le blé du premier homme qu'il a semé. The wheat of the first man. C'est la nourriture qu'il avait reçue. Is the feed. De la part the food he received de Melchizedek. From Melchizedek. Et c'est la foi. And that is faith. Melchizedek était le consommateur de la foi de Abraham. Melchizedek was the consumer of the faith. C'est l'Éternel Jésus-Christ étant le consommateur de la foi. Eternal Jesus as the consumer of the faith. Et il est venu apporter and he come to bring du pain et du vin the wind à Abraham. To Abraham. Alléluia. Amen. Donc en croyant Abraham reçoit le sceau de la justice. So believing Abraham received the seal of et justice. De Abraham sortira tous les descendants qui formeront une famille de la terre. And from Abraham will come out all descendants. Donc ce que Abraham a earth. Semé dans tous les dans la vie de tous ses descendants. So what? Ce que Abraham va semer dans la vie de tous ses descendants, c'est le blé. So what Abraham will sow
in the life of all those descendants. Est-ce que vous comprenez? Is the wheat. Do le maître du champ, c'est Melchizedek. C'est-à-dire, master of the field, celui qui a l'image de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ en réalité. Image of Jesus, celui qui n'a pas d'origine ni de peine, the one who has d'idée, no origin, ni commencement, ni de no father, no mother, celui dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Celui qui avait vu Abraham, dont Abraham était en joie. Met Abraham and il avait apporté la paix à Abraham, la justice. Peace, justice to Abraham. Donc, le premier homme avait reçu la paix et la justice. So the first man received peace and justice par la foi. By faith. Alors, tous ses descendants, so all his descendants, ils sèment en eux la foi qu'il a reçue. Ils deviennent descendants d'Abraham and they become et obéissant à l'Éternel, à Jésus-Christ, par la foi, the Lord Jesus by faith, recevant la paix receiving peace. Et recevant la and justice. Justice. Voilà le plan de justification this is the que Dieu avait tissé of justification par l'obéissance d'Abraham, made by dont il avait été imputé à justice. And he was justified donc, by that. Celui qui était intervenu, le premier homme, c'est Abraham. Abraham, c'est lui le mouvancier. Abraham, alléluia. The first man gloire à Jésus. To the Abraham, c'est lui le mouvancier. Abraham is the qui reçoit un ordre. Who receive an order. Selon la justification de la foi, en obéissant à cet ordre, il fut imputé à justice par la foi. According to justification by faith, obeying by that order, donc, he received justification by faith. Le blé que Abraham va semer, c'est la foi. So the wheat Abraham will sow will be the faith. Alléluia. Amen. Il va semer la foi. He sowed faith. Et le champ. And the field, c'est le peuple, is the people, tous les descendants qui doivent venir de lui. All descendants that will come from him. Alléluia. Amen. Okay. Romains 4, verset 13 à 15. 4, verset 13. Alléluia. 13 to 15. Mm-hmm. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis. Ah, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis. It's not through the law that the heritage of the world was promised. C'est pas la foi, hein? But it's by faith. Hein? C'est pas la justice de la foi. C'est pas la justice de la foi. It's by the righteousness que l'héritage du monde faith a été promis à Abraham. That the heritage of the world was donc promised Abraham, to Abraham. La semence qu'il reçoit du maître, c'est le blé qui so est la foi. The seed he received from the qui va semer dans le champ. Is the wheat. C'est-à-dire que tous ses descendants doivent recevoir comme héritage afin d'accéder aux bénédictions et aux promesses que Dieu avait destinées et sa postérité will receive by faith in order to inherit the promises God gave to his oui descendants. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Alléluia. Amen. Donc ici, nous comprenons que here we understand le blé est la the foi. Wheat is the faith. Et le premier homme, and the first man c'est Abraham. Is Abraham. Abraham, Abraham était membre du parti. Is member of the part. Du chef. Of the chief. Du responsable, du gouverneur. Of the qui est governor, Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est Melchizedek. Jesus Christ, Melchizedek. Alléluia. Ça, c'est le parti. L'ordre that de Melchizedek, c'est le parti. The order of Melchizedek is the party. Et ce parti prône la justification par la foi. And this part et l'obéissance aux œuvres. Talking about foi justification and obedience by faith. Le parti de Melchizedek, the part of qui a l'image de Jésus-Christ, l'éternel Dieu, the Lord est la justice. L'ordre de Melchizedek. Is the order of ça, c'est Abraham. That is Abraham. C'est la juste qui est basé sur la justification par la foi. That is based on justification et les œuvres de la foi. Faith and deed of faith. Le sacerdoce est royal. And the sacerdoce pourquoi is disons-nous royal que le sacerdoce est royal? Why do we say that the sacerdoce parce is royal? Melchizedek était un roi. Because Melchizedek quel type de roi was a king. Un what roi de king paix. King roi of de peace. Salem. King of Salem. Étant roi de Salem, as king il of était Salem, encore roi de justice. He was also king c'est of pourquoi righteousness. Il accordait la paix à Abraham et accordait peace aussi to Abraham à Abraham la justification. And also he l'imputation gave to Abraham à justice si et seulement Abraham obéissait. If Abraham obeyed. Et effectivement, Abraham a obéi. Effectively, Abraham obeyed. Ça, le parti, c'est l'ordre de Melchizedek. The party is the order of Melchizedek. Le sacerdoce royal. The royal sacerdoce. Donc, Melchizedek est le roi de Salem. To quit, roi de Melchizedek justice, is the king of Salem,
King of Righteousness, à l'image de Jésus-Christ, qui est le roi de paix, le roi de Salem, le roi de justice. King of Righteousness. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voyons comment le champ avait une semence. So we see how quelle est la semence? Has a seed. Vous pouvez répondre. Quelle est la semence? What is the seed? Can you le blé. Answer? Nous avons vu ça dans le livre de Matthieu 13. We saw it le in blé, the c'est la semence. The book of Matthew 13. Qui a semé la semence dans le champ? The wheat is the seed. Who sowed the seed? C'est Abraham. It is Abraham. Qui reçoit la semence? Who received the seed de Melchizedek, from Melchizedek, qui est l'image de Jésus, who is at the qui vient semer cette semence dans le champ. Who come to sow this seed in the field. Et dans le champ, d'abord, il y a le blé. And in the field, there is the wheat, that is the faith. Dans le parti, in the party, qui est l'ordre de Melchizedek, that is the et le sacerdoce royal. And the royal sacerdoce. Maintenant, relisez-moi Romains 4, versets 13 et 14 à 15. Now read again Romans 4, verse 14. 14 to 15. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Si les héritiers, c'est-à-dire si les héritiers de Abraham étaient héritiers selon la loi, par la loi, la foi est vaine. If those who inherit from Abraham was ce qui veut dire by que law, law il y a une semence contraire à la semence de la foi. What will mean that there is a seed contrary to the one c'est-à-dire of faith. Quand nous voyons la foi, if we see nous faith, voyons Abraham, we see Abraham qui fut imputé à justice who pour was la foi. Be mais justified by il faith. Y a contraire quelque chose contraire à la foi. But que l'Écriture vient de dire. Si nous faith. Voulons être justifiés selon la loi, alors nous ne sommes plus héritiers à la foi de Abraham. If we want to be justified by the donc, law, ce qui veut dire que cannot inherit by la the semence qui of est contraire à la semence de la foi est la loi. So this means that the seed contrary to the one of faith is oh, the law. La bonne semence c'est quoi? But the good seed la bonne semence what? C'est the seed le blé qui est la foi. Wheat, that is faith. Si la bonne semence est le blé qui est la foi. If the good seed et que l'Écriture dit that is faith, que lorsque si la loi intervient, la loi ne peut pas accorder l'héritage de la foi à Abraham, it cannot au modèle plutôt d'Abraham. To Abraham. Alors nous comprenons directement que, so we understand directly que that l'ivraie the wheat c'est la loi. Is the law. Acclame le Seigneur Jésus. The wheat, l'ivraie que l'ennemi est venu semer, c'est la loi. Come to sow is the law. C'est le même maître the same qui les a donné l'ordre. Toi sèmes le blé. You sow the wheat. Mais les serviteurs de la maison viennent voir le maître. Mais pourquoi? Pourquoi il y a l'ivraie? Il a dit laissez-les. And the servant of the servant pourquoi? Of the master come to parce see the master. To ask le Seigneur peut susciter à dessein un ennemi because the Lord can pour pouvoir accomplir son œuvre. Donc, will. Si la semence, la bonne semence est la foi, so if the good seed is étant the faith, le blé, as the wheat, et que la loi, and the law, lorsqu'elle intervient, empêche it intervene, prevents, l'accomplissement de l'héritage the de la loi. Of heritage, lorsque la loi intervient, when elle empêche l'accomplissement de l'héritage de la foi. It prevents the fulfillment of alors, the heritage nous comprenons clairement que, of faith. We understand that. Nous comprenons clairement que we la bonne semence, the good seed c'est le blé qui est la foi. Is the wheat that la mauvaise is the semence, the bad seed c'est l'ivraie qui est la loi. That is the acclame law. Jésus. Jesus. Alléluia. Amen. Donc la mauvaise semence c'est l'ivraie. So the bad seed alors, is the wheat. Si la mauvaise semence c'est l'ivraie, so if the bad seed is the wheat, quel est le nom du second homme qui est l'opposant? What is the name of the second man? Qui est le nom du second homme qui est l'opposant? Le nom du second homme qui est the l'opposant. Name of the second man who is parce the que opponent. Il y a d'abord le mouvancier qui because fait partie du parti politique, plutôt du parti voilà, du parti initial. The first man who belonged to the central party. Alléluia. Amen. Nous ne parlons pas de politique we ici. Are talking about nous parlons de la sainte doctrine. But we are talking about voilà. The sound doctrine. Donc, so, le parti est l'ordre de Melchizedek, n'est-ce pas? The party is the order of Melchizedek. Et la base fondamentale de ce parti, c'est la justification par la foi. And the fundamental base of this party is justification by et faith. Et le contournement de ce parti, c'est le sacerdoce royal. And what surrounding le couronnement. What le couronnement de ce parti, this party c'est le sacerdoce royal. Is the royal sacerdoce.
Donc, si le contraire so if the contrary, qui empêche l'accomplissement des œuvres de la foi that est la loi, the fulfillment of the alors la loi is the law, est livrée. So the law is the alors wheat. Si la loi est livrée, so if the law is the wheat, qui est l'opposant? Who is the opponent? Qui est le second homme? Qui est l'ennemi? The second qui vient man. Semer, livrer pendant que l'homme, le mouvancier, a semé who is the enemy la bonne semence qui est le plus. The wheat when alors, the nous déduisons que so, le second homme we can say qui that a semé l'ivraie, the second man who qui s'est opposé au premier wheat, homme, qui s'est divisé, the first man, qui est devenu antagoniste who du premier antagoniste homme qui est le mouvancier, of the first man il est Moïse. To the c'est Moïse. Part alléluia! Moses. Acclame Jésus! Praise God. Acclame Jésus! Jesus. Donc ça fait deux hommes, Abraham et Moïse. So this means there are two men. Abraham, Abraham qui sema and Moses. Le blé qui est la foi. Abraham sowed. Tous ses descendants passent son réputation à justice. That is the faith. Et Moïse. And Moses. Qui est ce deuxième homme? Who is this second man? Étant devenu ennemi de Abraham. Become ouais. Enemy of il Abraham. Est devenu ennemi de Abraham. He become pourquoi? Enemy of Abraham. Parce que why? Moïse, le second homme. Because va Moses semer une semence contraire à la semence que Abraham a semé. The second man sowed a seed contrary to the one. Nous sommes en train d'expliquer la parabole du blé et de l'ivraie. We are explaining the parable of the wheat and the wheat. Abraham a semé la foi Abraham comme blé. Sowed faith like wheat. Moïse vient semer. And Moses come to sow l'ivraie. The wheat. C'est-à-dire la loi. This means the law. Ça fait deux choses contraires. These are two contrary. Ce qui est contraire à la foi, c'est la loi. What contrary to faith is the law. Ce qui est contraire à la foi, c'est la loi. What contrary to faith is the law. Abraham a semé la foi par en recevant l'ordre du Seigneur. Sowed faith, receiving. Moïse vient recevoir l'ordre du même Seigneur. Moses come to receive. Mais en recevant l'ordre de la loi, order from il the devient Lord. Ennemi de Abraham. And receiving the order donc ça fait of law, deux antagonistes. Enemy of Abraham. Le mouvancier c'est Abraham. Antagonist. Et le parti c'est l'ordre de Melchizedek, le sacerdoce royal. The one who belongs alléluia. To the central part is Abraham, and the party is the one of the royal sacerdoce. Donc l'ennemi qui vient semer de l'ivraie, c'est Moïse so, qui vient recevoir la loi du maître même pour semer la loi dans le même champ qui est le peuple. So the enemy who comes to sow the wheat is Moses who received the law and comes to sow in the field of Abraham. Moïse est venu faire quoi? Moses came to il a reçu l'ordre de donner la loi au peuple. He received order to give Moïse law vient imposer la justification selon la loi. He came to impose justification Moïse by vient law. Apporter la justification selon la loi. Moses came to give alors, justification ça fait deux choses contraires. These are two le premier homme, c'est Abraham qui sème le blé. Man is le second homme, c'est Moïse wheat. Qui sème l'ivraie. And the second man is oh, Moses l'ivraie, c'est le contraire du wheat. Blé. But the l'ivraie, c'est la the mauvaise semence. The wheat is the contrary of the wheat. Au début, c'était le blé qui était semé par Abraham at lorsqu'il the recevait beginning, l'ordre du chef du parti qui est Jésus-Christ. The wheat that was sowed by Abraham when he received the order from Melchizedek. Abraham et plutôt Moïse. Moses n'a fait que accomplir ce que l'Éternel lui a donné comme ordre. He had just fulfilled what the Lord gave him as donc order. Moïse avait été suscité à dessein par Dieu. So Moses was raised by the will afin of God. De semer in order la loi to dans the le champ. In the field. Mais quand il sème la loi, nous voyons que la loi que Moïse est en train de semer we see that the est en réalité de l'ivraie. Puisqu'il y avait déjà la foi qui avait été semée par Abraham. Because faith was sowed by Abraham. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc Moïse est ce deuxième homme étant intervenu, étant devenu ennemi de Abraham. So Moses is the second man. Lorsqu'il instaura la justification par la loi. Enemy of Abraham. Lorsqu'il apporte la justice selon la loi. When he bring justice according to the law. Alléluia. Amen. Lisons Deutéronome 6. Let's read Deutéronome 6. Au verset 9. From the first verse to the ninth. Voici les commandements, les lois
et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner. Afin que Moïse lui vient. Moses came. Et le commandement donne les commandements. He start giving commands. Les commandements qui sont même contraires. Commands that are contrary. À la justice de la foi. To the justice of faith. Pour la justice de la foi. For the justice of faith. Il était seulement et dit un seul commandement. It was given only one commandment. Quitte le pays de ton père, de ta mère, va à une autre terre promise que come je te choisis. Come out from your father's and mother's house. Je vais te bénir. Go to the country. Ceux qui te béniront seront bénis. When ceux qui te maudiront seront maudits. Those who will bless you will et be par blessed. Toi, toute la terre, les familles de la terre seront bénies. Those who will curse you will be cursed. Moïse a you, obéi. All the a family will be blessed. À justice. Un seul commandement. Only one command. Et je parle d'Abraham. Plutôt, Abraham a obéi. Abraham, I'm talking Abraham about a obéi à ce commandement dans Genèse et fut imputé à justice. He obeyed to this un seul commandement et Abraham a obéi. And he will become righteousness. Un seul commandement. Only one command. Voilà Moïse, le second homme. This l'ennemi Moses, qui vient se délivrer. Man, the enemy who come to sow the wheat. Regarde, lisons ce qui vient semer. Let's read what he dans le même champ. Sow in the same field. Oui. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Ah, lisons Deutéronome 5:1. Let's read Deutéronome 5:1. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Exode 28 verset 41. Donc, on doit apprendre ces lois que Moïse a apportées. They should learn those afin d'être laws justifié, that Moses il faut bûcher, méditer, avoir en tête, mettre soigneusement en pratique toutes ces lois de Moïse. To be justified, they should memorize, to put in practice la volonté de all Dieu, those laws. C'est en écoutant un seul commandement, en obéissant, on est justifié. Given by Moses, by the will of God. Cela était pendant que le premier homme Abraham avait semé du blé. The will of God is when you listen to God. La foi n'a aucun joug. Faith has no yoke. Moïse, le second homme. But Moses, the second man. En apportant de la loi. Bringing the law. Est en train de semer, de livrer. He sowed the et livrer qu'il est en train de semer. And the wheat est en train de renverser le blé. Qui est la bonne semence. That is the qui est la foi. Seed. That is faith. Donc il y a contradiction entre la foi so et la loi. Contradiction between faith contradiction and law. Entre Abraham et Moïse du même peuple. Contradiction between Abraham and Moses from the same deux people. Deux ordres. So there are two l'ordre de Melchizedek, the order of Melchizedek qui était basé sur la foi that was based on faith, et le sacerdoce royal and royal et sacerdoce, l'ordre de Aaron, and the order of dont Aaron, Moïse est le second homme from which qui Moses est ennemi de, d'Abraham. Who is an ça dit of Abraham. Moïse this means that Moses l'opposant même is the opponent Abraham. Of Abraham. Et Moïse vient and Moses avec Aaron, établit l'ordre de Aaron pour les sacrificatures différentes Aaron, même de Melchizedek. For a price le sacerdoce different from lévitique the one of est le sacerdoce qui se base sur l'ordre de Aaron. Et la justification selon la loi apportée par Moïse. Is based on the order of donc il y a contradiction. And the justification by law bringing by Moses. Donc, so there are contradictions. Il y a deux hommes, Abraham et Moïse. There are two men. Le premier homme qui est mouvancier, the first one belongs to the c'est Abraham. Part is Abraham. Et le parti de la mouvance, and the party of c'est le the central party de l'ordre de Melchizedek. Is the one basé of sur la justification par la foi the order of et le sacerdoce royal. Based on justification by faith and the royal sacerdoce. L'opposant est à Moïse qui vient semer l'ivraie. Opponent
That is Moses est basé selon l'ordre de Aaron. To serve the le sacerdoce lévitique. Based according to the la law justification of Aaron. Selon la loi. Levitical sacerdoce. Or, la volonté de Dieu n'était pas ça. And justification according donc, to le law. Peuple est entré dans la confusion. Not that. So people, et tous ceux qui voulaient pratiquer cette loi n'étaient pas agréables so à Dieu. All those who want to practice this law was not alors, pleased une God. Prophétie va être donnée. So a prophecy allons-y was dans Esaïe 42 du premier let's verset. Go to Isaiah 42. Tu lis Esaïe 42 premier. Isaiah 42 verse 1. Tu lis Esaïe 42 3 4. And you read donc tu lis d'abord le premier. To tu sautes le deuxième three. Verset. Tu lis le troisième et le quatrième. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Mm-hmm. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Verset 3. Mm-hmm. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Mm-hmm. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point mm-hmm. et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, this means, il y aura Jésus-Christ sera, c'est une prophétie qui annonce la venue de Jésus-Christ. That annonce the coming of Jesus. Lorsqu'il était venu sur la terre, when au temps he de salut. At the time of salvation. L'Écriture dit dans le verset 3, the scripture says in lorsque verse 3, Christ va venir dans le monde Christ will come in the pour world le salut, for salvation, pendant le temps où il sera, at the time il ne brisera pas le roseau cassé. He won't break the il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. And he won't switch off il annoncera la vérité, la justice sur la vérité. He will announce justice il ne se découragera point. He won't discourage. Ne se relâchera point. He won't release. Jusqu'à ce qu'il ait établi till la justice sur la terre. Justice on the donc earth. Le but pour lequel Christ est venu, so the goal to which c'est d'accomplir la justice sur la terre. Is to fulfill justice et on la the justice earth. Sur la terre, and the justice c'est de rétablir le parti. Is to reestablish the parce qu'il y a un autre parti because qui est venu s'opposer au premier parti et le second parti. Le parti de Moïse and the second part et is le sacerdoce lévitique Moses basé sur la loi. Based alors, on the law. Il faut Christ, que Christ vienne. So Christ mais quand will Christ come. Viendra, when Christ, will Christ come, ne va pas briser le roseau Christ cassé. Won't not break c'est quoi le roseau the staff. Le roseau, c'est la foi. This staff is the faith. Donc, le roseau qui est la foi so this staff, est ce blé que Abraham avait semé dans le champ. Weed. Is that alléluia. Abraham le roseau cassé, le roseau plutôt, field. Le roseau this staff est le blé is the selon la révélation according to revelation que that Abraham avait semé Abraham sowed, et c'est la foi and that is faith. Donc nous comprenons par là so we understand by that que le roseau that the staff est le blé is the wheat et le blé and the wheat c'est la foi is faith. Donc Abraham a semé so Abraham sowed la, le blé the wheat qui est un roseau en forme a staff qui était la foi. That was donc faith. Avant même que Moïse n'intervienne, so before Moses le roseau n'était pas cassé. Le roseau n'était pas cassé. Broken. Le roseau était en forme. The staff was at c'était le blé, shape, la plante shape. Du blé qui était en forme. That was the c'était un roseau of the en forme. Ça, c'est yes, la foi sans la loi. Faith without law. Mais lorsque Moïse était intervenu when avec Moses son parti et avec son ordre and et son sacerdoce, order, his sacerdoce par le principe qu'il avait amené by the principle qui est basé brought, selon la loi et ses that œuvres. Is based according to alors, the law, la loi est venue casser le roseau. So the law comes to break the staff. La loi est venue casser le the roseau law come to break qui est la foi. The staff, that is the faith. Donc, la livrée est venue mélanger so, le blé. The wheat comes to trouble or the wheat in the same c'est la loi but the wheat qui vient maintenant is the law that comes casser le roseau qui est la foi. Break the staff that is donc the pendant faith. Que Moïse était le, la loi de Moïse était toujours d'actualité. So as the law of Moses was still working. La loi de Moïse est venue renverser la justification par la foi que Dieu avait instituée. Pas Abraham. Of Moses come to reverse justification that God instituted by the faith by Abraham. Donc le roseau cassé, do you understand? C'est la loi. So the broken staff is the law. La loi de Moïse. The law of Moses.
Lorsque le roseau est cassé, as the nous voyons was broken, le sacerdoce we lévitique see the et ses œuvres. En livret, c'est le roseau cassé. But the wheat is lorsque the le roseau est cassé, when the staff is broken, ce n'est plus le blé, ce n'est plus wheat, la bonne semence, it's not the good seed. Le roseau n'est plus à son état normal. The staff is not si at le roseau est cassé, shape. En même temps, nous voyons if le livret. The staff is broken, we see puisque the livret wheat. Est, la même, est similaire, mais ce n'est pas le même format. Because the seed livret ne porte pas de bons fruits. The wheat bear not c'est le blé good qui porte de bons fruits. The wheat that ah, le blé, c'est fruit. Lorsque le roseau était en forme. But, the wheat, c'est ça la foi. The wheat is when the mais le roseau cassé, c'est l'ivraie. But qui déforme la foi, déforme le roseau pour rendre le roseau cassé. The wheat is what là, what changed le roseau the cassé, shape of a staff? C'est la loi de Moïse. And then the broken et la loi de Moïse staff is the law of Moses. C'est la base fondamentale de l'opposition qui confrontait, qui contredisait la foi et le principe de Abraham. And the law alléluia! Is the fundamental gloire that à Jésus. Make opposition to the faith of Abraham. Alléluia! Jesus. Donc nous comprenons par là que so we understand by that le problème, il y a un problème, voilà. Nous avons there dit is que a problem. Il y a quelque chose qui les a divisés. Something divide them. Quelque chose qui les a opposés. Something oppose them. Qu'est-ce qui les a opposés? What oppose them? C'est l'ivraie qui est venue it is the dans le champ. That comes qui oppose le premier homme au deuxième homme. Oppose the first qui oppose man le deuxième homme au premier homme. That oppose the second man to the first one. L'ivraie est contraire au blé. The wheat is contrary. Et le roseau cassé n'est pas la meilleure semence. And the broken staff is not le roseau good est cassé, seed. La plante ne portera plus de bon fruit. As the staff is broken, the donc plant ce qui est venu séparer Abraham what come to et Moïse. Abraham puisque from Moïse Moses. Était aussi de la postérité d'Abraham. Because Moses is also from donc the ils étaient un peuple of Abraham. Jusqu'à ce so que Dieu donne à Moïse la loi. A people. Jusqu'à ce que Dieu suscite Moïse à dessein. Till when God pour donner la loi. Moses mais by pourquoi his Dieu avait suscité Moïse the law. Pourquoi Dieu avait suscité Moïse à dessein? Why God raised Moses by his will? Pourquoi? Parce que why? Dieu utilisait la loi comme pédagogue. Because God used la loi comme law. Ombre. Like a shadow. La loi comme une figure. Like a figure. Et cette loi n'était pas parfaite. And this law was la not loi, perfect. Et la loi qui n'était pas parfaite. The unperfect c'est la déformation du blé qui devient le roseau cassé. Of the seed that alors, becomes the broken staff. Le peuple était comme ça dans la confusion jusqu'au temps où Jésus était arrivé. So the people was in confusion like that. Mais qui tu dis qu'il ne viendra Jesus pas briser le roseau cassé? The scripture says that tant que tout n'est pas accompli à la croix, to broke the staff, Jésus ne brisera pas le roseau cassé. As everything is not c'est pourquoi les disciples étaient venus voir Jésus. Jesus will not break the quand je dis disciples, staff. C'est les serviteurs de la maison qui sont venus voir le Seigneur. The servant of the ah, house Seigneur, come to see mais the pourquoi Lord. Tu ne veux pas arracher l'ivraie en même temps? Lord, why do pourquoi not want to remove n'arraches-tu pas l'ivraie en même temps? At the same moment. Laissez-les croître ensemble. Let them grow laissez up together. La foi et la loi ensemble. Let faith and law quelle together. Loi? La loi de Moïse. Which law? The one of le roseau cassé. The broken staff. Laissez le blé livré ensemble. Let the wheat and laissez le the roseau wheat dans son together. État de cassure. Let the wheat. Laissez le roseau étant cassé. Let the staff broken. Laissez le blé livré ensemble. Let the wheat laissez la foi and the wheat together. Et la loi let de Moïse ensemble. And Moses jusqu'à together. Ce que till when arrive le temps de la moisson. The time of harvest pour will come. À la moisson, and at the harvest le blé soit mis dans le grenier. The il faut d'abord put in que l'ivraie soit déracinée. And the wheat should mais be uprooted. L'Écriture dit que Jésus n'est pas d'abord venu Jesus arracher l'ivraie, c'est-à-dire briser le roseau cassé. Remove the wheat. Mais qu'est-ce qu'il fera? Il continuera à annoncer la justice. He'll continue annoncing justice. Il annoncera la justice. He'll annonce il prêchera la vérité. He'll preach truth.
Il ne se découragera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Quand est-ce qu'il a établi la justice sur la terre? C'était à la croix que Jésus avait établi la parfaite justice sur la terre. Et c'est à ce moment que le roseau cassé a été redressé. C'est à ce moment que l'ivraie a été déracinée. At that time, the wheat was la cassure a été ôtée. Alléluia. Amen. Laissez Abraham, Moïse et Abraham dans leur état de contradiction. Moses and Abraham are their contradiction. Jusqu'à ce que je les réconcilie au temps marqué. At the given car selon le plan de Dieu, because according to God's plan, Dieu a mis cette confusion God put that afin de rétablir in order to establish la transparence, l'union, la réconciliation. Union and reconciliation. Laissez Abraham et Moïse s'opposer. Let Abraham and c'est-à-dire, Moses oppose. Laissez la loi, let la foi et la loi de Moïse Moses être en contradiction. Be in contradiction. Parce que je ne suis pas d'abord venu because I don't come at dès le roseau cassé. Je ne suis... broken staff. Mais il y a un temps annoncé. But there is a time that was announced. Lorsque je finirai when I will par établir ma justice sur la terre establish my justice on the earth, et que les îles espèrent en sa loi, c'est-à-dire en ma and loi. I'll il faut que law, la justice soit établie par la terre, will be sur la terre, on the earth, par Jésus à la croix, by Jesus at afin the cross, que in order sa loi, his law, qui est la loi nouvelle, that is the new soit law, communiquée. Should be communicated. Donc, tant que les deux livraient le blessé as ensemble, above, the wheat and the wheat il are ne together, peut pas. Il faut qu'il arrache. Il faut qu'il déracine l'ivraie. He should unroot. Mais comment déracinera-t-il l'ivraie? C'est how à la croix. Will unroot the wheat, it will be c'est at the cross. C'est à la croix qu'il y aura la réformation. It will be at the cross that there will be reformation. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Christ est venu opérer une œuvre de réformation. Christ come to operate a deed of reformation. Réformation, c'est annuler une ordonnance antérieure. Pas une nouvelle is to cancel qui est plus meilleure. The first order c'est pourquoi l'Écriture dit que la nouvelle alliance est établie sur de meilleures promesses. The reason why the scripture says that the new covenant car is c'est pas la réformation que la nouvelle alliance a été instituée. Because by reformation that the new covenant was instituted. La loi était un pédagogue. The law was puisque like c'est même teacher. Le maître, le Seigneur qui l'avait instituée because it pour is un temps. C'était temporel jusqu'à time, l'époque de la réformation. The time of reformation. Quand est-ce que la réformation a été faite? When the reformation tout est accompli done, à la croix. It is when at the time of tendant God vers la mort du Christ. At the cross, c'est ça la réformation. Toward the death quand il déclare Christ, que tout est accompli, en ce moment la justice a été établie. When he was declaring that everything was fulfilled, justice pourquoi was established. La réformation? Why reformation? Puisqu'il y avait déjà une ordonnance there was qui avait établi un command, principe, command qui avait établi une justification par la foi. That established justification selon Moïse, qu'il avait sémé la semence dans le champ that he sowed the seed jusqu'à in ce the que field. Vienne un autre décret. Till when another un autre décret qui come, s'oppose à la première ordonnance. That opposed to the first command. Et ce décret, c'est un décret qui contredit le premier. Opposed to the first la one. Loi de Moïse vient contredire la foi d'Abraham. Come to oppose alors, Abraham. Quand so, Jésus est venu, Jésus était venu dans une période où la loi de Moïse était toujours d'actualité. Jesus came at a period when the law of Moses au temps du salut working. Où Jésus était venu sur la terre. At the time of salvation, Jesus la loi de Moïse, earth, l'ancienne alliance était toujours d'actualité. The old covenant même Jésus was faisait working, son ministère. Even when Jesus was doing his c'est pourquoi ministry, il parlait en parabole. That's what he was talking parce qu'il in ne parable, veut pas en même temps briser le roseau cassé. Because he want not mais l'Écriture va nous dire ailleurs qu'il staff, a vraiment brisé le roseau cassé. Et nous allons comprendre comment. At over place that he effectively broke the broken staff. Au temps du salut où Christ était venu, il ne pouvait pas briser ce roseau qui at est la loi. At the time of salvation, de Christ come, he won't break. Il faut that qu'il safe, puisse donner des paraboles. He should give parables. Il faut qu'il puisse donner des paroles, des figures, pour les accomplir au temps marqué. To fulfill them at the given time. Il ne peut pas en même temps venir à contredire la loi de Moïse directement. He cannot at the same moment parce que to oppose ceux the law à qui il prêchait sont de la loi de Moïse. Because those to whom he was preached are from the law of Moses. Même quand il disait que avant qu'Abraham fût, je suis, et il disait que tous les Juifs étaient embrouillés. Les even gens voulaient le lapider. He was saying that
Before Abraham, I was. Jews want to stone. Donc, il ne brisait pas, il n'avait pas brisé le roseau cassé pendant l'œuf sur la terre. The broken sack. Mais c'est à la croix. C'est à la croix qu'il brise le roseau cassé. But it is at the cross that he broke. Il brise la loi. Il anéantit la loi. He destroyed the law. Afin que le blé qui était mélangé soit semé, c'est-à-dire soit renouvelé à nouveau. Pour qu'on parle de la bonne semence qui est la foi qui sera rétablie comme principe et modèle de justice. For the seed, selon Melchizedek, that was missed should be reestablished in order that we'll talk about justice according to Melchizedek. Donc, au temps du salut où Christ était venu, il ne pouvait pas briser le roseau avant le temps de la réformation. Or, le roseau cassé était la loi de Moïse. C'est pour ça que le blé et l'ivraie devraient être ensemble. The wheat and the wheat will be together. Pendant l'époque où Jésus était sur terre. At the time Jesus jusqu'à was l'époque on the earth, de réformation. Till the time of réformation. Or, l'époque de réformation, c'est l'époque où Dieu va donner une nouvelle ordonnance pour renverser l'ancienne loi et ses prescriptions afin qu'on revienne sur le premier décret qui est la foi qui était une semence faite par Abraham dans le champ. And the time of his reformation is the time that God give another command that come to reestablish the first et one. Et prenons 10. The first one. Nous sommes déjà à la fin. Verse 10. We are going to the end. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, Ces ordonnances étaient les ordonnances du sacerdoce lévitique. Des lois de Moïse qui ne pouvaient pas accorder la justification. C'est pourquoi toutes ces lois étaient contraires à l'ordonnance de la foi. Qui n'a pas de joug ni de condamnation. Contrary to the ordinance of faith. Avec ces ordonnances, Moïse était toujours opposant à Abraham. Moïse is still opponent. Et ne faisait pas partie du parti de la mouvance qui est le sacerdoce royal. And he belongs not to the central part. That is the donc, royal sacerdoce. Le Christ va dire que ces choses étaient imposées. So the scripture says that these things are imposed. Chanel. There was flesh. Chanel imposé. Imposed. Seulement jusqu'à une époque. De réformation. To a time of reformation. La loi de Moïse était imposée. The law of Moses comme pédagogie, imposed, comme like figure, figure. Comment loi qui devait anticiper avant la période de réformation. Mais lorsque Jésus était sur terre, le temps où Jésus était sur la terre n'était pas la période de réformation. Il était au temps du salut. Or, au temps du salut, commence par le rouleau, le dévoilement du rouleau du livre. Lorsqu'il parlait dans Luc 4 en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Jusqu'au moment où il était allé à la croix. C'est le temps du salut. When he opened the scroll till the time he went mais to the cross. Mais le temps de la réformation c'est quand? And when lorsque Christ était à la croix. When Christ was at the cross. Et à la croix. Son corps qu'il avait livré. His body he était une chair qu'il avait livrée. Was a flesh. De la même manière que Melchizedek avait livré le pain à Abraham. The same manner Melchizedek gave le corps de Jésus, to Abraham, la chair, the body of Jesus, est semblable au pain. Que Dieu avait donné à Abraham. Is like the bread et c'est God pas gave to le Abraham. Pain qui est la parole. It is the bread that is qui the est la chair de Jésus. That is the flesh of Jesus. À la croix. At the cross. Qui anéantit. That destroyed. Le roseau cassé. The broken. Or ce roseau staff, cassé. And that broken c'est la loi staff de Moïse. Is the law of Moses. Donc tout cela était imposé. So all même au temps où Jésus imposed, était sur terre pendant le temps du salut, when Jesus was cela était earth, toujours imposé that was jusqu'à imposed l'époque de la réformation. The time of reformation. Quelle est l'époque de la réformation? What is the time l'époque of de l'œuvre de la croix. The time of the l'époque work de of l'œuvre de la croix. The time alléluia. Of the work of cross. Gloire à Jésus. Amen. Donc les deux étaient ennemis. So both two men ils were étaient ennemis. They were enemies. Moïse et Abraham. Moses and Abraham. Ennemis dans la chair. Not enemy in flesh. Ennemis dans l'opposition. In opposition. Des deux parties. Of two parties. Lord Aaron. The order of le sacerdoce lévitique. The Levitical s'opposait sacerdoce. À l'ordre de Melchizedek et le sacerdoce royal. C'est-à-dire la loi donnée par Moïse this et ses œuvres
était une condamnation. The law gave by et ne pouvait pas permettre au peuple d'avoir l'héritage. And it did or, l'héritage, c'est donné par la foi. And cannot permit depuis Abraham. The people to get et c'est Abraham the heritage. Qui a sémé le blé dans le champ. And the heritage was given to Abraham. Comme ils sont divisés, comme ils se sont divisés, the wheat in the fight. Il faut que Jésus-Christ les réconcilie. As they are divided, mais Jésus-Christ ne peut pas les réconcilier sans annuler le problème, sans détruire le problème qui les a divisés. But Jesus can reconcile them without cancel the problem that divided. De réconciliation sans détruire le problème qui divise. We cannot talk about alors, reconciliation without comme le temps the problem où that divide. Christ devait détruire le problème n'était pas arrivé pendant qu'il parlait sur la terre. As the time Christ would destroy the problem when he was at the earth. Parce que le he temps said, n'est pas encore arrivé. Let them grow up laissez together. Le blé et l'ivraie croître. Let laissez the la foi grow up. Et la loi de let Moïse croître. And the law of laissez Moses le sacerdoce lévitique et le sacerdoce royal croître ensemble. Let the Levitical sacerdoce je, parce and the que royal pourquoi il parle du sacerdoce royal? Grow up together. Puisque le sacerdoce royal existait avant même le sacerdoce lévitique. Why he talk about the royal sacerdoce? Ce n'est pas Jésus qui est venu instituer le sacerdoce royal sur la terre pendant qu'il était venu. Ce sacerdoce existait même avant le sacerdoce apporté par la loi de Moïse. The royal sacerdoce existed. C'est pourquoi je dis que le roseau existait Moses. Et c'est la foi. Reason why I was saying that the qui était le blé. Was existed. Alors qu'est-ce qu'il faut anéantir? Il faut anéantir le problème qui est livré. Et ce problème qui est livré, c'est lui, le roseau cassé so qui est la loi de Moïse. Cette prescription qui était une condamnation qui contredisait le principe que Dieu avait donné à Abraham. We should destroy the weed. That, alléluia. That is the law. That is opponent to the faith that was juste given reprenez, by Abraham. Pour que ça soit clair. Repeat, il y a différence entre l'époque du salut où Jésus-Christ était venu pouvoir prêcher le salut et l'œuvre du salut. Et il y a et cette différence entre le temps du salut et le temps de la réformation. There is difference between the time of the law and the time oui. of the salvation. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, c'était imposé jusqu'à l'époque so de réformation. Mais après la réformation, est-ce que la loi de Moïse peut être encore imposée? Can the law of Moses be imposed? La réformation consiste à annuler les prescriptions et les lois de Moïse pour rétablir le premier principe to establish qui est again the basé first sur principle la première semence qui est le blé. Based on the first c'est-à-dire, il faut que la foi revienne. So mais il faut que les deux hommes soient réconciliés. So the two men should reconcile. Donc la réformation consiste à renverser so reformation consists le problème détruit le problème qui avait divisé Moïse, Abraham et Moïse. Or to destroy the problem that divided Abraham and Moses. Elle consiste aussi à briser le roseau cassé. That also au temps où cela doit être fait. Break the broken staff. Mais au temps du salut, time. Il ne le fera pas. But at the time of salvation, he won't. Mais c'est au temps de la réformation que le roseau sera cassé, qui est la loi de Moïse, time, qui sera anéanti. Broken, et Moses c'est là nous disons que l'ivraie sera déraciné. And then we say et vous allez comprendre que c'est deux étapes. Il faut que l'ivraie soit d'abord déraciné avant que le blé soit réuni dans le grenier. Before the wheat should be assembled in the basket. Et l'ivraie soit qui soit déraciné, c'est la loi de Moïse qui soit anéanti à la croix and par le wheat qui est accompli that will be par la chair de Jésus-Christ. Is the law that is fulfilled at the cross by après la réformation, of Jesus. Nous parlons de l'époque de la moisson. After Reformation, we talk about the time of donc, harvest. Dans Matthieu 13, ce que les moissonneurs feront premièrement, c'est la réformation. So in Matthew 13, déraciner l'ivraie qui est la loi. Those who harvest, lisez-moi le dernier verset. The first thing they will do is reformation. Du passage de Matthieu 13. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie. Arracher d'abord l'ivraie. Parce que l'époque de la moisson, c'est l'époque qui consiste, qui quitte depuis l'œuvre de la croix
et qui confirme le début du temps de la grâce. The time of harvest is a time that comes from the time of grace. C'est pourquoi il dit l'épaule la moisson. Qu'est-ce que vous avez fait d'abord? Vous allez d'abord anéantir, c'est ça la réformation. Donc la réformation est une première étape de la moisson. Reformation is a first step of harvest. La moisson même n'est pas encore à la croix. The harvest itself. La moisson même, c'est lorsque le Saint-Esprit était descendu sur l'Église. The harvest c'est ça. Itself is when puisque the Holy Spirit selon la loi, il y avait la fête des moissons. Selon la loi, Lord, there was the feast of Lévitique. Harvest. Lévitique. La loi de Leviticus. La fête de la moisson. The feast of harvest. Or, le jour de la Pentecôte, c'était la célébration des moissons. It was the celebration. Donc le Saint-Esprit est descendu le jour de la moisson. So the Holy Spirit comes down la the loi day of harvest afin d'approuver, in order to pour pouvoir confirmer l'accomplissement de la parabole de Jésus. Of the parable of Jesus. De l'époque de la moisson. That talk about the time et l'époque of de la moisson. And the time of et l'époque de l'effusion du Saint-Esprit. Is the time of où le Saint-Esprit va mobiliser ceux qui ont la semence du blé et la foi, ceux qui vont croire en Jésus lors de l'effusion du Saint-Esprit, afin d'être réunis dans le grenier. Alléluia. Donc, avant l'époque de cette moisson, la moisson a d'abord une première étape, qui est l'étape de la réformation. Et cela se passe à la croix. Donc la moisson commence de la croix et s'enchaîne au jour de Pentecôte. And go until the ce qui se passe à la croix, c'est la what réformation at the cross où une nouvelle ordonnance parle, when tout est accompli. By all his accomplit la justice de Christ sur la terre Christ et annule la loi de Moïse et ses prescriptions and qui the law a of divisé Moses les deux, Abraham et Moïse. The two men, et c'est quand Christ Abraham va détruire le problème, après cela, qui va reconcilier les deux ennemis, les deux antagonistes doivent devenir membres de ce parti. The two enemies should be members of this party. Lisez-moi Ephésiens 2, versets 14 à 16. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair. À cause de la loi de Moïse, il y avait Moses, une mur de séparation. Quel mur de séparation? Which wall of separation? Entre tous les descendants de Abraham, descendants of Abraham, qui espère toujours à that hope. Abraham en écoutant la parole de Jésus-Christ qui est la foi. Listen to the word of Jesus, et that is faith. Les descendants de Moïse qui ne croient pas who believe à la foi d'Abraham. The faith of Abraham. Alors, comme les deux étaient divisés, as both two il faut men que were le mur divided, de séparation qui est la loi of the separation, de sacerdoce lévitique soit brisé. Et c'est ça le roseau cassé qu'il a brisé à la croix. He break et at the cross. L'inimitié qui était entre Abraham et Moïse, and qui les contredisait, qui était la loi, was between Abraham fut ôtée. That opposed them pour que was les deux ennemis deviennent amis. Both enemies oui. Become friends. La loi des ordonnances. Ah, il a reprenez cette phrase. Il a fait quoi? Le verset 16 ou 15. Alors, il fait quoi? Christ a anéanti par sa chair. Christ destroyed by his body. J'ai dit ça, le pain qu'il avait donné. Bread. Que Messie avait donné à Abraham. Gave to Abraham. Christ est en train de rétablir le sacerdoce royal. Donc, Messie est le roi de paix. To which puisqu'il est venu comme souverain sacrificateur et roi de justice. Christ roi de like paix. Most high. Alors, price. Il fait quoi? And il anéantit. So he destroyed oui. What? La loi des ordonnances. The law of commands. C'est-à-dire, il anéantit le roseau cassé. Le temps est revenu à la réformation. Le temps est venu à la réformation d'anéantir le roseau cassé à la croix. Afin de créer en lui-même. Ayant détruit l'inimitié, ayant détruit la loi et les prescriptions by de Moïse. By destroying law and commands of Moses. Qui est l'ivraie. That is the wheat. Il déracine l'ivraie. Qui enroute. Et fait quoi? The wheat. Il crée l'inimitié. Il crée quoi? Avec les deux, un seul homme nouveau. Il crée l'amitié. La paix. Avec les deux. Qui sont les deux? Abraham et Moïse. Abraham et Moïse étaient divisés. Mais comme le problème qui les divisait a été détruit. Et ce problème, c'est la loi des ordonnances de Moïse et ses prescriptions. As of the problem that divide them. Est-ce que vous comprenez? The law and its Christ ayant détruit ce problème, Christ les réconcilie. That problem reconcilie them. Il les réconcilie.
He reconciled them. Comment? En faisant quoi? Les deux forment maintenant un seul homme. The two form only one. Qui est le seul homme? C'est Jésus-Christ. Only one man. It is Jesus. Le chef de la maison. The chief of the Il house. Il enlève l'ivraie. He removed Et quand l'ivraie a été enlevée, when the cela wind reste was removed, le blé. It remains the wheat. Et les deux ennemis and the two enemies deviennent ensemble membres du sacerdoce royal. Member of the royal Donc Moïse, qui so, était de la loi de la loi et de ses œuvres, that is from the law and its deeds, ne fait plus partie du sacerdoce lévitique. Je vais expliquer again cela. The Mais les deux deviennent un seul homme. But both qui est le seul homme? Become only Jésus-Christ. One hein, man. Continue. That is Jesus. Et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps. La réconciliation de Abraham et Moïse en un seul corps. Reconciliation quel corps? Of Abraham le corps de Jésus and Moses in only hein? One body. That is the one of Jesus. Avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. La croix, oui, en détruisant par elle l'inimitié. Hein? Il est venu annoncer la paix. Ah! Jésus est venu annoncer la paix come to announce peace. En ramenant les hommes, l'humanité au sacerdoce royal apporté par Melchizedek. Humanity to the royal sacerdote. Oh, Melchizedek c'est le roi de paix. But Melchizedek is the king. Alors Jésus, pour rétablir l'autre principe, il amène encore la paix comme roi du salut, comme roi de paix. So Jesus to establish the peace. À vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. C'est bon, gloire à Jésus. Amen. Donc Abraham et Moïse sont so devenus Abraham un seul homme. And Moses become only one on ne va man. Plus dire que we Abraham est venu apporter la loi Abraham come to pour bring non the Moïse. Law. On peut pas dire, on peut plus we dire que Moïse a apporté la loi pour bring the law pour contredire Abraham, to, puisque to la loi que Moïse a apportée a été déjà anéantie par because Jésus à la croix. The law C'est Moses ça l'écriture du verset 15. Donc nous pouvons dire. Lisez-moi Zacharie 6, 13. Ça, c'est une prophétie. Qui parle de Jésus qui viendra réconcilier Moïse et Abraham. Ça, c'est la révélation profonde. Oui. Il bâtira le temple de l'Éternel. Qui? Christ. Lors de sa venue. Hein? Christ, when he will come. Le corps. Le temple de l'Éternel, c'est le corps du the Christ. Body of hein? The Lord is the body of Christ. Il portera les insignes de la majesté. La majesté, c'est-à-dire majesté. La royauté. Royal. Hein? Il s'assiera et dominera sur son trône. Jésus portera la domination sur son trône. Domination c'est ça, nous parlons du lion à 10 cornes. Then we talk c'est-à-dire de l'animal à 10 cornes qui est semblable au lion de la tribu de Judas. Like the le lion de la tribu de Judas qui est roi. Donc, Judah, qui est revêtu de majesté. King. Et qui est en même temps souverain sacrificateur, qui est un sacerdoce royal. That is the royal sacerdoce. C'est ça, nous avons parlé du baptême. Then we talk où about Jean-Baptiste when John baptized, a été étonné, mais ce n'est pas moi qui ai dit. Je ne suis pas digne. I'm not worthy. Je ne suis pas moi qui sois digne de te I'm baptiser. Not worthy to baptize Jésus dit, laisse faire. Let it laisse faire ce qui est juste. It be done. Qu'est-ce qui est juste? What is il right. Faut que il y ait transmission de sacerdoce. Transmission of il faut qu'il y ait transmission de sacerdoce. C'est-à-dire, Jean le Baptiste John était baptized. De la tribu de Lévi. From the or, tribe avant of Lévi. Jésus-Christ, but before Jesus, la, c'était la tribu de Lévi qui exerçait le sacerdoce. It was c'est ça on the dit, tribe of Lévi le, that les sacrificateurs, les Lévites au sacerdoce lévitique. Le sacerdoce. Donc, Jean a so dit, John je ne suis pas digne de te baptiser. Said, I'm not worthy Jésus lui dit, laisse faire Jesus ce said, qui est let juste. It pourquoi? Be done. Par le baptême, right. Jean devait why? Transmettre le sacerdoce, le pouvoir d'autorité give, qui était dans les Lévites, qui opérait la sacrificature en leur temps. The power of authority that was in Lévites, who exercise the sacerdoce. Dans l'ordre du baptême, Jésus ne recevait pas l'onction des Lévites, in mais il water, recevait le transfert de sacrificature, parce qu'il est souverain sacrificateur, non selon l'ordre des Lévites, non selon cela, mais selon l'ordre de Melchizedek. In the water of baptize, Jesus was not receiving the anointing of Leviticus verse. It was a transmission of the power. Lisez-moi, gardez ce verset. Allez-y dans Hébreux 7. Go to Hebrew le verset 7, 22. Verse 22.
Ou bien lisez, finissez. Okay, et Zacharie d'abord, on va venir. Zacharie and we'll come back. Mm-hmm. On est déjà à la fin. We are going to the end. Oui. Il bâtira le temple éternel. Le corps du Christ. Et il portera les insignes de la majesté. Ça, c'est la royauté, le lion de la tribu de Juda, l'animal. The animal with 10 horns. Il s'assira et dominera sur son trône. Qui dominera toutes choses, qui renversera, qui foulera au pied. He will reverse Jésus-Christ. Jesus Christ. Il sera sacrificateur sur son trône. Ah, Jésus sera sacrificateur. Jesus will be Christ. Et une parfaite union régnera. Une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Acclame Jésus. Une parfaite union entre Abraham et Moïse. On ne parlera plus du sacerdoce lévitique, mais du sacerdoce royal. Donc Jésus est le roi sur le trône et en même temps sacrificateur. C'est pourquoi à la croix, Jésus-Christ était sur le trône de victoire en tant que souverain sacrificateur. Et en même temps, agneau. Reason why at the cross Jesus was at the same time. Et en même temps, on lui a apporté une couronne d'épines pour marquer sa royauté. Et c'est par la croix qui accomplit la justice sur la terre, comme l'a dit Ésaïe 42, du verset 1 à 3. At the cross, he fulfilled justice on the earth. Alléluia. Like, au verset 4, du 1 à 3 et 4. Verse 1 to maintenant. 4. L'Écriture dit dans Zacharie 4, 6. The scripture says non, non, 4, 13, c'est ça, non? 4, verse 13. Zacharie 4, 6, 13. Zacharie 6, que 13. Il y aura une union entre l'un et l'autre. That there will be union between one and another. Abraham et son sacerdoce. Moïse and qui est l'autre. His sacerdoce and Moses and et l'Écriture va dire dans Hébreux 7, du 22, verset 21, Hébreux 7, verse 21, au verset 24. To 24. Il faut d'abord comprendre, comme je l'ai dit, que Jean était Lévi. Jean-Baptiste. Il a transmis l'autorité sacerdotale de Lévi à Jésus pour que celui qui est roi selon la tribu de Juda puisse commencer son œuvre. And he transmitted the authority of the sacerdoce to Jesus for the one who is the Mais l'onction que Jésus a reçue n'est pas l'onction du sacerdoce lévitique, mais juste l'onction qui vient d'en haut, qui a été prophétisée dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Il annoncera l'évangile pour annoncer la liberté aux captifs, etc., etc. And the anointing Jesus received is not from the Levitical sacerdote, but it's from heaven. And that is written in Isaiah 61. Et c'est cette onction, qui est les sept yeux, les sept esprits, les sept caractéristiques de l'onction de Dieu énumérée dans Zacharie et dans le livre d'Ésaïe 11, l'Esprit de l'Éternel. Beaucoup disent que c'est 6, mais en réalité c'est 7, puisque l'Esprit de l'Éternel est à part. Et les autres esprits sont des caractéristiques qui se joignent à l'Esprit de l'Éternel. Car il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, ayant reçu la transmission du sacerdoce, as he received transmission du pouvoir, plutôt du pouvoir sacerdotal, par Jean, qui est de Lévi, il change en même temps by John, who is à la croix, puisque l'eau de baptême est une ombre de l'eau de baptême de Jésus est une ombre de l'œuvre de la croix. The water baptized of Jesus is a shadow. Dans l'eau de baptême, on dit the work of the cross. Monte sur ton âme, nage sur le petit d'une ânesse, monte sur ton char, sois comme un guerrier et va combattre. Celui-ci est mon fils like bien-aimé. Et où j'ai mis toute ma confiance. Go to fight. Et comme l'eau de baptême est l'ombre de la croix, as the water baptized, Jésus accomplit la mission du sacerdoce royal en tant que roi, en tant que souverain sacrificateur, selon la prophétie de Zacharie 6:13. Jesus fulfilled the mission of a king of the most. As Christ, c'est là il va unir les deux, Zechariah, Abraham et Moïse. And then he united the both men, Abraham and Moses. Hébreux 7, verset 24, oui. Car, tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement,
sacerdoce qui n'est pas transmissible. Alors, le sacerdoce de Lévi était transmissible. Mais c'est pourquoi Jean-Baptiste, étant Lévi, a transmis le pouvoir sacerdotal à Jésus-Christ. Le sacerdoce of Levi was transmitting because reason why Jesus, John Baptist, who was de la même Levi, manière que le sacrificateur était plongé, était, était baptisé dans l'eau. Selon la loi, ça c'est un autre enseignement. Christ aussi a été baptisé, recevant la pouvoir sacerdotal. In the same manner, alive, Christ was baptized. Alors, in water, depuis que Jean, le Lévi, du sacerdoce lévitique, lui a transmis, étant prophète, lui a transmis le pouvoir sacerdotal. Donc Jésus est souverain sacrificateur de Judas. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, le sacerdoce n'est plus transmissible à quiconque. To quit, Jesus is the lion puisque Jésus-Christ est lui-même celui qui est éternel. Transmitted to no one else because son règne n'a pas de fin. Jesus has eternal reign. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, il réconcilie les deux hommes, Abraham et Moïse. Là, on ne parlera plus men, des œuvres de la loi. Abraham and Moses. So, we won't talk about et l'Écriture va dire dans Éphésiens 2, and the scripture will les say deux deviennent un seul in homme. Ephesians 2, c'est-à-dire, Abraham plus Moïse est égal à Jésus-Christ. La loi était donnée par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Law was given by Moses, mais pourquoi nous ajoutons Moïse? Come by puisque Jesus. Why do we add Moses? Les œuvres de la loi ont été anéanties à la croix. Because the deed of the mais law Moïse was destroyed at the cross. Représente ça spirituellement. But Moses la loi spiritually the law. Spirituelle que Jésus-Christ a apportée. The spiritual law Jesus puisqu'en bring. Jésus, because le sacerdoce n'est plus charnel. The sacerdoce was l'œuvre n'est plus charnelle. La loi n'est plus charnelle. The law was not la loi by est maintenant spirituelle. The law is spiritual now. Alors, so, Abraham est la foi. Abraham is the faith. Moïse est la loi spirituelle. Moses is the spiritual selon law, le sacerdoce royal. According to the royal sacerdoce. Mais dans le sacerdoce lévitique, but in the Moïse Levites, était ennemi de Jésus, ennemi de Abraham. Moses was maintenant, enemy of Jesus comme ils sont devenus amis, as they become il faut que la foi d'Abraham plus Abraham la loi spirituelle puisque law, c'est Moïse qui avait apporté la loi Moses et comme ces lois étaient une des œuvres de la as loi that law was Jésus ayant anéanti les œuvres de la loi law, charnel, ça devient Jesus une loi spirituelle the flesh law is Abraham plus Moïse law est égal à Jésus so c'est-à-dire la foi plus la loi spirituelle faith est égale à Jésus-Christ equal la sainte doctrine est égale sans la Jesus foi plus la loi spirituelle. Il faut croire en Jésus. Mais il faut pratiquer believe la loi spirituelle. Jesus, car spiritual il n'y a plus law de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. No selon Romains 8, 1. Car Jesus, la loi Roman 8, verse 1. La loi de l'esprit de vie en Jésus. La loi spirituelle de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Quelle est la loi du péché de la mort? What is the la loi de Moïse what is the law of et ses ordonnances. The law of Moses. Et depuis que cette loi a été anéantie, la loi de Jésus est devenue une loi spirituelle. Donc, dans la révélation, quand nous voyons Moïse, nous ne voyons plus Moïse comme un ennemi. Nous voyons Moïse comme un ami. Moïse qui est un ami dans la révélation est en même temps la loi spirituelle. Et dans la doctrine, nous and voyons Moïse doctrine, comme les œuvres de la foi. We see Moses like puisque the deed le of lien d'inimitié a été renversé. Because the link of le lien de division a été reversed. Renversé. The maintenant, link of division Abraham was et Moïse deviennent membres de ce parti. So, c'est-à-dire, Moses Abraham, of this party, souverain sacrificateur. Abraham plutôt qui était Abraham lié à Melchizedek, qui est le souverain sacrificateur. That's the most high price. Et Moïse, c'est-à-dire Moses, la loi spirituelle de Jésus, spiritual law of Jesus, sont maintenant dans le corps de Jésus. And now in the body of Jesus. C'est pourquoi l'Écriture dit, ces choses sont l'ombre des choses à venir. La loi est un pédagogue et l'ombre des choses à venir dans le corps est en Christ. Donc, comme Christ est le réformateur et qui accomplit la justice selon la foi, la loi qui était une ombre est devenue réalité en Christ. Et cette réalité est la réalité de la loi spirituelle. Donc, en Jésus, in Jesus, nous voyons la foi plus la loi spirituelle. And spiritual law. Et la loi spirituelle, and the spiritual pour, law, être, pour atteindre son œuvre,
to attain c'est is la this, foi et ses œuvres. It is faith and its works. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ, in Jesus le Christ, peuple juif circoncis selon la loi de Moïse people, et le peuple qui est loyé, qui n'est pas circoncis selon la loi de Moïse, that is qui, est, qui croit en Jésus, and believe in Jesus, les deux peuples two people, deviennent tous membres de cette become partie members of only du sacerdoce royal. Royal sacerdoce. C'est-à-dire les Juifs circoncis selon la loi de Moïse, Jews, qui croient en Jésus, to Moses law, voilà, est circoncis Jesus, selon le principe de justification circoncis, du signe de circoncision d'Abraham avant même sa circoncision. Donc aujourd'hui, yes, ceux today, qui sont dans la loi de Moïse, those who are in the law qui croient Moses, en Jésus, who believe ceux in qui sont Jesus, Juifs qui croient en Jésus, those who are Jews et nous qui and étions païens, and we who was unbeliever, nous qui étions païens, qui croient en Jésus, who believe nous formons in Jesus, un seul peuple. We form only il y a one peu d'inimitié. People. Puisque there's Abraham, no le inimitié. Père des circoncis spirituels, because Abraham, the father of spiritual qui n'est pas circoncis, qui dont le peuple ne doit pas être circoncis forcément selon la loi, to whom the people et le peuple juif circoncis de la chair, mais qui croit en Jésus, nous tous nous formons un seul peuple circoncis spirituellement, believing in Jesus, we justifié, recevant la marque de Jésus. Circoncis spiritually, receiving the mark of Jesus. Donc l'Écriture dit qu'il va réconcilier les deux en un seul corps. And the scripture says en Jésus, je vois la foi. In only one body. En in Jésus, Jesus, je vois la foi. I see faith. En Jésus, je vois la loi spirituelle. In Jesus, I see spiritual en Jésus, law. Je vois Abraham in et Jesus, Moïse. I see Abraham and Moses. Alléluia. Amen. Nous sommes déjà à la fin. We are at the end. Hébreux 7, 15 à 19. Hébreux 7, verse 15 to 19. Hébreux chapitre 7. Cela devient plus évident en fait. Quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Alléluia. Amen. Maintenant, à l'époque de la moisson, j'ai dit que c'est le temps de l'effusion du Saint-Esprit jusqu'à nos jours. Donc nous sommes dans la moisson. So we are at the harvest time. La dispensation de la grâce est l'époque de la moisson. The dispensation of the grace and the time of et l'Écriture dit dans Matthieu 13, the said le verset 30, que le blé sera dans le grenier après l'époque de la réformation. The wheat should be donc in depuis the que le Saint-Esprit est descendu jusqu'à nos jours, since the Holy Spirit comes down till nowadays, le maître est en train de rassembler le blé dans son grenier. Assembling oh, the wheat in le grenier, boundless. C'est le corps du Christ. Boundless. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Éphésiens 2 qu'il a fait des deux un seul corps. That he made both to only one et il a réconcilié les deux peuples dans un seul corps. Le corps du Christ est le grenier. Ce qui veut dire que si toi, tu crois en Jésus aujourd'hui, que moi, je crois en Jésus, que les Juifs croient maintenant en Jésus, and Jews believe in les païens, les Grecs croient en Jésus, unbelievers, nous tous, believe in nous Jesus, formons l'Église de Jésus. We all reform et nous the sommes church en même temps Jesus. Le corps du Christ. And we are c'est the ça, body of Christ. La parole qui est le blé, qui est that la semence pure. The word that is the ceux qui croient au blé, wheat, ceux qui mangent le blé, those who eat the wheat, sont la bonne semence. Have a good ils récupèrent la bonne semence they take the good dans le grenier. In the qui est le corps du Christ. Boundless. Alléluia. That is the body of gloire Christ. À Jésus. Glory to Jesus. Maintenant, comprenons cette dernière partie. Now, let's understand this qu'est-ce qui va se passer encore quand Moïse était what ennemi when quand Moses Moïse était ennemi de Abraham, c'est-à-dire Abraham, quand Moïse avait apporté la loi Moses brought et que la loi law, avait contredit and la the law foi d'Abraham, opposed the faith of Abraham, qu'est-ce qui va se passer? Something happened. Nous avons lu dans le livre de we read in the book Romains. Of Roman. Romains 4, verset 15. Lisez-moi. Parce que la loi produit la colère. Ah, la loi produit la colère. Law brings anger. Il n'y a point non plus de transgression. Ok. La loi produit la colère. Law brings anger. Quelque chose va se passer. Something happened. Sur Moïse. On Moses. Nombre 20, verset 7 à 11. Numbers. Nous sommes liés à la fin, donc allons-y rapidement. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Ah, vous parlerez au rocher. Speak to the rock. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail.
Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce que de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Moïse frappa deux fois quoi? Moïse c'est une révélation. Twice, that is a revelation. La Bible dit que la loi produit la colère. Law bring. Quand Moïse était garant de la loi de la loi. Est-ce que vous comprenez? Et ses œuvres. L'Éternel va dire à Moïse, Moïse, parle au rocher. Moses, quand tu vas parler au rocher, l'eau du rocher va sortir. Quand le peuple va boire. En réalité, quand Moïse avait contredit Abraham par sa loi, Dieu voulait justifier Moïse et tout le peuple et toute sa descendance pour les ramener au sacerdoce royal et l'ordre de Melchizedek comme Abraham. Mais Moïse va faire quoi? But what Moïse, au lieu de parler doucement au rocher, instead of speaking parce qu'il était en inimitié avec la foi, to the rock, as he was in inimity le rocher to the faith, et l'eau du rocher. The rock le rocher, c'est Christ. Of the rock. Le rocher, c'est Christ. The rock is Christ. C'est Christ. This rock is Christ. 1 Corinthiens 10. In 1 Corinthiens 10. Allons-y, 1 Corinthiens 10. Nous sommes déjà à la fin. 2. Ils ont tous baptisé à Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. This rock was Christ. Donc Moïse va faire quoi? Deux fois l'écriture dit. Twice the scripture says. Ce Moïse va faire. What will Moses do? On dit Moïse, parle au rocher. They say Moses, speak to the rock. Mais Moïse va saisir la verge. Moïse Moïse va frapper deux fois le rocher. Le rocher était Christ selon la révélation. Si le rocher était Christ selon la révélation, nous sommes en train de voir Melchizedek représenté par le rocher. Et l'eau qui était dans le rocher symbolise le vin que Melchizedek avait apporté à Abraham. Mais comme Moïse était en inimitié avec la foi d'Abraham, que Moïse avait apporté une loi controverse à la foi d'Abraham, sachez que la loi produit la colère. Knowing that selon Romains, la produce anger. Selon Romains, verset 15. According to Romans 4, verse. Alors nous comprenons par là que so Moïse avait frappé Christ. Moïse avait fait quoi encore? Moses, comme l'eau représente le vin. As water represents wine. Apporté par Melchizedek. Allons-y dans le livre de Genèse 14, Genesis, verset 18, voilà. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu. Melchizedek, roi de Salem, c'est Christ, l'image du Christ, qui fit apporter du pain et du vin. Donc Christ est le pain Christ et le vin. Christ is the wine and the bread. Christ est la parole et Christ le vin. Is the word. Mais pourquoi the wine. Dieu va dire à Moïse de parler Why au rocher? Why God will tell Moses to speak to the rock? C'est le symbole de la parole. It is the symbol of the word. Et le vin. The bread parle and the wine. Au rocher. Speak to avec the rock l'eau sort. For water to go out. C'est la parole. This is the word. Ah, lorsque tu parleras, when you will speak, je mettrai à ta bouche. I will put in your mouth. C'est la parole. The bread. Et lorsque tu parleras, word of Christ, le pain. When you will speak, qui est la parole. The bread that va is the word, au rocher. Will order the rock to put out water. Pour que tu puisses être sauvé. In order to be de la loi et de la condamnation de la loi. The condemnation of the law. The people to be mais Moïse saved. A obéi. Moses Moïse a obeyed. Frappé Christ, c'est-à-dire le rocher. Whipped Christ. Et Moïse a frappé aussi. And he also whipped. C'est-à-dire le son créateur. His creator. Alors, so, l'eau est sortie. Goes out. L'eau, puisque water le Seigneur veut opérer. Mais ce n'est plus selon ce que but Dieu voulait faire. What God wanted to do. Do you understand? Donc Moïse a suité. Il a manifesté la colère. So Moses manifested anger. L'Écriture dit, il tape deux fois le rocher. He beat it la première fois, the rock. The first c'est one, quand Dieu lui dit de parler. When God asked mais il a to frappé speak, le rocher physiquement. The rock mais physical. Nous voyons que dans le temps où Jésus était sur terre, we see that à la croix, Jesus was on la loi de Moïse était encore d'actualité. The law of Moses et tous ceux qui étaient assujettis aux ordonnances de la loi de Moïse, les pharisiens, Moses, les rois de la terre, qui avaient crucifié Jésus, who crucified Jesus, il y avait parmi eux un soldat
There were among Parmi them, tout cela, there was among them qui a soldier frappait Jésus du côté. Who whipped Jesus by his side. Pas un fouet. By un bâton. Il frappait Jésus. He whipped Et l'eau sortait de son and sa water couche. En réalité, c'est deux fois que side. Moïse a frappé Jésus. In reality, c'est-à-dire, Moïse a frappé Jésus. Whipped Jesus. En, c'est-à-dire le rocher qui est Jésus. This means the rock that pour la première Jesus, fois, the first time, c'était physique. It was physical. En deuxième fois aussi physique. The second time, il a frappé le Christ à la croix. He whipped Christ at the cross. Le Christ. Crucifying. C'est pas lui dans la chair. It's not la deuxième fois. Flesh, the second mais time, c'est ça la loi de Moïse qui suscitait la colère. The law of Moses that bring anger. Et cela doit arriver. Maintenant, quand Moïse manifestait la colère, Dieu lui a dit, tu ne iras pas dans la terre promise. Or, la loi conduisant la colère ne permettrait pas à Moïse d'entrer dans la terre promise. Mais Abraham, qui avait produit, la qui avait obéi, qui avait été imputé à justice, était entré dans la terre promise. Inter the promised land. Pendant qu'il avait obéi à son pays, de sortir de la terre de son père Samé. To go from the land. Donc Moïse n'est pas allé dans la terre promise. So Moses went not to a promised land. Et spirituellement, tous ceux qui descendent de Moïse n'iront pas dans un lieu de repos après la mort. Go to the C'est pourquoi Moïse lui-même après sa désobéissance, n'était pas allé à la terre promise. Went not to the promised land. Et n'était pas allé dans le sein d'Abraham. And he went not d'Abraham n'existait to the breast of Abraham à cause de sa désobéissance. It existed not. Dieu voulait rétablir because sa volonté. Of his disobedience, mais il a désobéi. God wanted to establish again his will, but puisqu'il a désobéi, alors Moïse était précipité dans le sein de mort après sa mort. Was pushed. Et Moïse était accusé. Of death, Moïse était accusé. And he was pourquoi? Accused parce que c'est Moïse, sa loi, qui accusait les Juifs. It is the law of Dieu voulait sauver les Juifs dans le désert God pour qu'ils ne participent pas au Seigneur des morts. Jews à cause du fait que Moïse frappa le Christ. But à cause Moses parce qu'il s'est rendu ennemi d'Abraham. Moïse est entré dans le Seigneur des morts. So Moses et tous ses descendants the aussi. Of death. Allons-y dans. Qu'est-ce que Jésus va dire aux Juifs? Lorsque les Juifs s'enorgueillissaient de Moïse. When Jesus was proud about Moses. Allons-y dans Jean 5, 45. John 5, verse 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. Ah! Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Think Dieu. That I will accuse you celui not. Qui vous accuse, c'est Because Moïse. The, father, hein? The one who accuses you is Moses. C'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. En qui vous avez mis votre espérance. You put au your lieu hope, de mettre votre espérance à Abraham, to put your vous avez mis l'espérance à l'ennemi. You put the hope in je ne suis pas dans le dit de trahir Moïse. Puisque Moses, nous avons déjà fait la paix. Because we Christ a déjà fait la paix avec Abraham peace et Moïse. Avec les descendants d'Abraham et ceux de Moïse. Et nous sommes devenus of Abraham sont and those un of Moses. And they become mais only one avant born. La paix, but voilà before the peace, vous étiez. This is what c'est Moses pourquoi même Moïse, à cause you de cela, Moses, après sa mort, that, after his death, son corps, il s'est dit, il a été accusé par Satan. He was accused by Satan. Et il a été mis au sein des morts. He was put at et tous ses descendants ont été mis au sein des morts. And all his c'est pourquoi was put at les psaumes disaient, death. Les prophètes disaient, prophet, Osée va dire, prophets will say, il délivrera les saints du Seigneur des morts. Saints from où est ta the state of death. David va dire, il ne laissera pas son saint. Where is your power? Dans le Seigneur des morts. David will say he won't let his alors, saint. Alors, par les œuvres de Moïse, so by the deed tout of le Moses, monde était dans l'accusation. Everybody was mais were in accusation. Jésus ayant réconcilié Moïse. But Jesus reconciled Moses. Par l'œuvre de la croix en détruisant l'inimitié. Parce que c'est lui-même qui avait permis cela. Because himself permit that. Il permet à Moïse. He permit to Moses, après la résurrection, after resurrection de Jésus-Christ, of Jesus et du moment où les saints qui étaient dans le sein des morts étaient sortis, and when the saints that were at the seat of de sortir death, aussi, accomplir les œuvres de la foi de la même Moses manière que ceux qui étaient dans le sein des morts étaient, to fulfill the deed of faith. Donc Moïse manner, était le premier. Moses also c'est did. La prémisse même de la résurrection physique de Lazare que Lazare a reçue. Qui était appliqué même à ceux qui étaient dans le Seigneur so des morts. It is the first le Seigneur des morts. Of a resurrection that was applied Moïse était le prémisse. On Lazare that was c'est done pourquoi on those who were at the qu'est-ce qui va se passer? Dead.
L'Écriture dit dans Apocalypse 12, verset, à partir du verset 11, says in Revelation jusqu'au 12, verset... From verse 11, non, ne lisez pas. Jusqu'au dernier verset, l'Écriture disait qu'il y a une guerre dans le ciel. There was a war. Ça, c'est après l'œuvre de la croix, la mort de Jésus, où Jésus était monté au septième ciel. Michael et ses gens combattaient contre le dragon. C'est en ce moment que le corps de Moïse qui était disputé. It is on that time the body of Moses that was disputed. Que Moïse avait désobéi à frapper le rocher deux fois. Moses beat it. Et que son temps de la loi poussait tout le peuple à la désobéissance jusqu'à la crucifixion de Jésus. The law bring people to disobey Jesus since crucifying of Jesus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il faut d'abord que la guerre fût dans le ciel. The war was alors, Michael va travailler à ressusciter le corps de Moïse pour que Moïse soit ressuscité physiquement. Parce que Satan Moses avait pris en otage. For it to be resurrected physically. Satan l'avait pris en otage. Et il était dominé dans le séjour des morts. Dominated alors, at the state of Moïse death. Était parmi ceux, so premièrement, Moses comme prémisse, was among ceux qui étaient ressuscités. Pourquoi je dis premier? Ce n'est pas qu'il est resté premièrement, mais il est le premier qui les avait accusés. C'est Dieu qui l'a permis, mais Dieu a sorti Moïse. Moïse n'est plus dans le séjour des morts. Les descendants de Moïse ne sont plus dans le séjour des morts, puisqu'ils ont cru à l'évangile pour être justifiés par la foi. Étant tous justifiés par la foi, Moïse va dans le sein d'Abraham. Après avoir accompli faith, les œuvres de la foi. Moses went to the priest of donc Moïse est actuellement dans le sein d'Abraham. Alors, les deux ennemis sont devenus amis et se sont retrouvés dans le même lieu, attendant la résurrection pour l'enlèvement. So the both enemies are gathered Jude 1, le verset 9. Together, ça, c'est lorsque Christ est monté au septième ciel, il y a eu dans le ciel. Michael a disputé, Michael a combattu pour que Moïse soit sauvé. So et Moïse Michael a été sauvé par la rédemption de Christ. Michael fight in order that Moses to be saved. And Moses was saved Jude by the work of the cross. Jude 9, voilà. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement. Donc, effectivement, Michael a intervenu pour sauver Moïse. Michael intervenu si Moïse était Moïse perdu. If not Moses, comme c'est par lui was lost, que tout le peuple était accusé dans la loi, as it is because by him et il faut que Dieu qui l'a donné la loi le sauve premièrement. God who gives sachant que Dieu, the law should save him Dieu lui-même n'est pas injuste. Knowing that God him et l'Écriture dit, unrighteous. Sachant que la loi produit la colère and the et que Dieu lui donnait la loi, as law Dieu donnait à Moïse la loi anger, et que Dieu lui-même sait que la loi était une pédagogie nous amenant à Christ. Law is a teacher, il faut que bringing si Dieu ne ressuscitait pas Moïse if God resurrected pour vivre, not pour Christ, pratiquer la foi et les œuvres et encore aller au sein d'Abraham, alors Dieu serait injuste. Faith, mais Christ est venu appliquer la justice sur la terre God will be selon unjust, le livre d'Ésaïe 42, verset 1 au verset 4. Donc étant justice, étant accompli, ayant accompli la justice, Moïse et Abraham sont devenus membres de cette partie. By fulfill justice, Moses and Abraham become ils attendent tous la résurrection. Alléluia. Moïse sera ressuscité. Moses will Abraham be resurrected. Sera ressuscité. Abraham will ça, be c'est resurrected. Pour la première résurrection à l'enlèvement de l'Église. Donc personne n'est monté encore. Moïse Christ n'est pas monté. Abraham no n'est pas monté. Ils sont tous au sein d'Abraham. Abraham, not Moses. Et nous aussi, si nous mourons en Christ, Abraham, nous irons and au sein d'Abraham. Also, if we die et nous Christ, monterons we'll go at the au troisième ciel. And we'll go at the third nous monterons heaven, lors de la tempête. At the persévérons. Of the trumpet. Vivons en let's Christ persevere, pour entrer let's dans la gloire. Live in Christ to enter pour voir Moïse, Abraham. To see Moses, to see Abraham. Parce que l'Écriture dit le because vie, the scripture où says, nous serons à table will avec Abraham. And we'll be at table moi, j'attends with ce Abraham. Jour. I am waiting les for deux ennemis the two enemies seront ensemble. Will be together. Ils sont déjà et nous ont devancés dans le sein d'Abraham. Mais à la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puisque Moïse est mort en Christ après sa résurrection, comme Lazare, pour accomplir les œuvres de la foi, after his resurrection, étant mort en Christ, to fulfill the Abraham work étant of Christ, le garant même du sein d'Abraham, eux tous et les morts en Christ qui nous ont dévancés. All of them and those who ressusciteront died premièrement will resurrect et après eux
And after nous qui sommes them, sur terre, we who are nous allons on le suivre earth, we'll et nous irons them, dans le ciel. And we'll go je prie pour toi I que le Saint-Esprit t'accorde la vie, give you life, la résurrection, resurrection. Au dernier jour. At the last je time, veux faire partie de, la, de ceux qui sont ressuscités. To those who will resurrect it. Je serai parmi ceux qui monteront I will be au among ciel. Those who will proclame avec moi. Proclaim with me. Jésus dit dans Jean 11, 5, Jesus says in John, je suis la résurrection et la vie. 25, celui qui I croit en moi, resurrection and life. Quand même qu'il meurt physiquement, the one who believe in me, vivra éternellement. Even he die physically, je déclare que je vivrai. Forever. Je reçois la puissance de l'immortalité. Je reçois la puissance de délivrance. Au dernier jour, lorsque la trompette va sonner, je serai enlevé et j'irai à table. Ensemble, nous serons avec Abraham, Moïse, avec Paul, avec les saints, et nous célébrons les noces dans la Jérusalem. Seigneur, merci. Seigneur, merci de m'avoir scellé, de m'avoir accordé le signe de la justification. De m'avoir réconcilié, moi qui étais païen, moi qui n'étais pas héritier, je suis devenu co-héritier. Co-héritier avec toi. Merci Jésus. Merci pour ton peuple qui a suivi cet enseignement. Ceux qui m'ont suivi en direct, ceux qui m'ont reçu maintenant, Seigneur, bénis-les, accorde-les la paix. Accorde-les la paix de la même manière que tu as accordé. Paix à Abraham, qu'ils soient tous justifiés, que nous serons sauvés. Marque-moi, marque ton peuple, marque ton église, que personne donc ne nous fasse de la peine, puisque maintenant nous recevons dans notre corps les marques de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit glorifié. Merci Seigneur pour m'avoir utilisé. Seigneur Jésus, merci de m'avoir équipé pour communiquer cet enseignement. Seigneur, fortifie-moi. Permets-moi même de demeurer dans la vivification, dans la justice, dans la sainteté, pour qu'au dernier jour, tu m'enlèves, tu enlèves l'interprète, me, tu enlèves les techniciens, tu enlèves le lecteur, tu enlèves tous tes serviteurs, toute l'église, pour que nous soyons à table. Church, for us to et be nous, at the nous table, nous réjouirons d'avoir la paix en toi, roi de Salem. King of Salem, roi de justice. King of justice. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus, in Jesus name, I have Amen. Prayed. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. People of God, may voici the la fin de la quatrième partie. The end of a fourth part d'enseignement. Of our series of teaching. Donc, ceci n'est pas encore, on n'a pas encore atteint. So, autre aspect. Depuis que nous avons commencé, since we have started, nous avons parlé du trône éternel. We talked about the eternal nous throne. Avons parlé après du trône de la gloire after de Dieu. After that, we talked about the throne of the glory of Jesus. Donc, quand Christ quitte le trône de la gloire, so when Christ, c'est là qu'il a accompli tout ce que nous avons listé. He fulfilled all donc, les prochaines fois, seated. Nous allons parler so for the next time, du trône, we'll talk about the throne. D'autres aspects du trône. Over aspect of the nous allons parler de la droite de Dieu. We'll talk about the et nous allons parler of God. Des rôles du trône and we'll talk about the roles dans la dispensation de la grâce in the dispensation of the grace. Et dans la prophétie and in the prophecy des choses à venir. Of future things. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Shalom.